Toujours pas? Ah si, je commence en disant un gros mot. Bon, ben on va la refaire. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro 76 du Mardi Cécily. Oh là là, que le temps passe vite, j'ai l'impression de radoter un petit peu l'émission 100% Switch, ou presque. Et ça sera un petit peu ou presque ce soir, parce que même si on va faire l'actualité Switch, les sorties de la semaine de la Nintendo Switch, nos jeux du moment qui sont plutôt Switch, mais le gros dossier sera dédié au Triple I Initiative, donc la grosse conférence indé qui a eu lieu la semaine dernière. Et c'est vrai que cette grosse conférence a abouti quand même sur beaucoup de jeux PC, pas beaucoup de jeux Switch, mais on le sait, on a l'habitude, ces jeux PC deviennent Switch tôt ou tard. Bon, le son est de retour, ouais, je suis désolé d'avoir complètement zappé mon micro, et pourtant, bon, d'habitude je regarde mes petites barres, j'aurais dû le voir, je l'ai pas vu, c'est pas grave. Je vais en profiter pour dire bonjour, bonjour à tout le monde, salut Xis59, salut Anturus, salut NourzGamer, salut Sébastien Joly, très très content de te voir ce soir, Alban Billard, coucou, Jean-Christophe Maurice, Poki, Marie Overload Sama, Mama Chacha, Gartson Gonsalves, Mr. Warmot Acrid, Glimax, Agnès Arnaud Negitsu, 3 étoiles. Je ne sais pas qui tu es, 3 étoiles. Lui donna Bilodio, Bilodo, pardon, Parador, Faitital, Rumin, Jastobart, Music Over All, Gojuju, Bruno Riera, Wolfgardo et tous les autres que ça n'arrête pas. Il n'y a pas de son, on n'entend que la musique. Oui. C'est bon, j'arrive à lire sur les lèvres. Ouais. On teste un truc ce soir. Il n'y a pas eu l'importance du clap-clap. C'est vrai que j'aurais fait le clap-clap, j'aurais peut-être vu que mon micro était en vrille. Mais c'est pas grave. Alors, s'ils sont en train de battre le record de Duck Nukem Forever, peut-être. Sujet parfait pour l'annonce de demain, c'est vrai. On va en parler de l'annonce de demain. Sujet parfait, effectivement, on va parler indé. C'est vrai que demain, grosse journée indé sur Nintendo Switch. Et merci Overlord Sama. Ah, ça marche très bien. Merci beaucoup Overlord Sama pour la souscription offerte à Wolfgardo. Eh bien, bravo. Bonsoir Sully, as-tu des informations pour un Bravely Default 3? Pas du tout. Et je pense que si Bravely Default 3, il doit y avoir, ça sera pas sur Switch, ça sera sur une future console. Duck, bonsoir, merci d'avoir mis en avant Chain Echoes. Mais pouvoir, c'est... Ça, c'était de bon cœur d'avoir mis en avant Chain Echoes, hein, je peux t'assurer, c'était vraiment le cœur qui parlait. Merci beaucoup. J'espère que le son passait pas sur le babyphone. Non, ma femme est là, elle gère bébé. J'ai entendu bébé crier un petit peu d'ailleurs, mais tout va bien. Et Seb, trop. Et Seb, t'es royal. Vraiment, Seb. Seb, t'es sûr de toi, vraiment? Bon, t'es trop gentil, c'était pas la peine, Seb. Mais bon, merci Seb, et donc pour Seb. Donc oui, vous pouvez profiter des billets de blog au format vidéo, et d'ailleurs, bah, on va parler un petit peu du contenu qu'il y a eu sur la chaîne ces derniers jours, et il y a eu, avec un petit peu de retard, je m'excuse, le billet de blog du mois d'avril, où donc c'est ce format vidéo où on parle de la chaîne, on parle des réussites de la chaîne du mois passé, des échecs de la chaîne aussi. Je parle aussi de la situation actuelle de la chaîne avec, bah, on en a déjà parlé un petit peu en live, hein, moins de vidéos, on va faire avec, et un petit peu du futur de la chaîne, comme d'habitude, et on finit, et je crois qu'on ne l'a pas fini en réalité, le dossier sur la relation entre les éditeurs et la chaîne. Voilà, et ben voilà, on va parler un petit peu maintenant, on continue ce lancement, on va parler un petit peu de ce qui va se passer sur la chaîne
dans les jours à venir, enfin déjà ce qui s'est passé dans les jours passés, donc billet de blog, j'en ai parlé, le top Tactical RPG, on l'avait fait il y a plus de 10 jours ensemble en live, il est enfin en vidéo montée et il est plus long, il y a 15 jeux, il y a 2-3 petits trucs qui ont changé de place, mais c'est assez peu significatif, et il y a des petits bonus qui ont été rajoutés. Il y a eu la preview, je pouvais pas en parler mardi dernier, mais mercredi dernier, simultanément au Triple Initiative, il y a eu la preview de Rogue Prince of Persia, et simultanément, Toon et El Payo vous ont présenté en live le Triple Initiative. À venir sur la chaîne, on va vite finir avec ça. Ce week-end, le calendrier des sorties, le traditionnel calendrier des sorties du mois de mai, qui est déjà un gros mois, bien chargé. Normalement, Jastobart m'a dit, c'est bon pour le test de Princess Peach Showtime. Alors, je crois qu'il est dans le chat, hein, je crois que j'ai vu tout à l'heure. Donc, normalement, jeudi, peut-être, le test de Princess Peach Showtime. Sur Sullivan Streaming, ils vont vous faire aussi une petite vidéo très très sympa, les potos Dja et Saifung. Un petit concept que je me dis, tiens, on va peut-être leur piquer le faire aussi sur la chaîne tôt ou tard. 10 catégories, 10 jeux chacun, baston. Voilà, c'est très simple, à vous de définir qui a les meilleurs goûts entre les deux selon les différentes catégories. Ça sera vendredi soir pardon, sur la chaîne et il y aura autre chose aussi. Voilà, mais je peux pas dire. Salut, bah oui, Sofiane, grand fan des Yuden Chronicles, ça va arriver incessamment sous peu. As-tu des infos sur la sortie dématérialisée sur Switch des Yuden Chronicles? Bah, ça sort mardi prochain. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un Yuden Chronicles en promo sur l'eShop, donc ça c'est le Rising. Et ben, on en parlera dans le à quoi qu'on joue parce que c'est un de mes deux à quoi qu'on joue. Spoiler alerte, n'est pas terrible. Mais à 4€ et quelques, ça peut valoir le coup quand même. Bon! Ben, je crois que j'ai à peu près... Qu'est-ce que tu fous sur le chat? Dja, va faire le test de Princess Peach Showtime. Oui, mais je peux pas en vouloir à Dja. Je pense qu'on sera les derniers à sortir le test de Princess Peach Showtime, mais moi aussi, généralement, quand je sors mes tests, je suis le dernier de la sphère YouTube à sortir le test. Donc, je ne lui en veux absolument pas. Et puis, il a quand même pas mal cravaché sur d'autres vidéos entre deux. Voilà! On a fait le tour de l'actualité de la chaîne. Il est grand temps de passer à l'actualité de la Nintendo Switch. A tout de suite. Oui, alors l'actualité Nintendo Switch, je reprends évidemment vos messages dans le chat, j'ai pas de musique, elle est là. Oui, en version boîte, il a été repoussé en 23 mai pour Yuden Chronicles, c'est juste pour la version boîte, et en plus c'est que la version boîte Switch. La version boîte PlayStation, elle sort bien mardi prochain. Et le jeu en démat, il sort bien mardi prochain sur tous les supports, je peux vous l'assurer. Voilà. Voilà, et ben voilà. Et ben on va partir sur l'actu Switch, il s'est passé des petits trucs. Il s'est passé des petits trucs cette semaine. Alors, on va démarrer directement par une vidéo. On va réveiller tout le monde. Et Toon, en bon modérateur, hein, qui met les sondages. Est-ce que Dja sera à jour pour le test? Moi, en tout cas, je peux vous dire qu'effectivement, la question se pose parce que je ne l'ai toujours pas vu passer. Enfin, je ne contrôle pas le travail de Dja. Mais je peux dire qu'à l'heure actuelle, il n'est pas posté sur la chaîne. Je n'ai même pas lancé ma vidéo. Tac! On va parler de quoi? Je sais même pas. On va parler d'un jeu de Dice Folk. Bah oui, quitte à parler un petit peu indé. On va parler d'un roguelite. Roguelite. C'est déjà bien de dire que c'est un roguelite basé sur du deck building. Ah, c'est bien aussi le deck building, hein, tu me dirais. Dice Folk, ça arrivera bientôt. Le jeu est annoncé, on ne sait absolument pas quand il va sortir, il est annoncé sur Nintendo Switch, c'est un jeu de roguelite tactique, mécanique de capture de monstres, ok, et contrôle des dés. Alors c'est-à-dire que voilà, bah, il y a les dés, on va pouvoir énormément améliorer les dés, alors pas forcément faire des jets de dés plus puissants, mais en fait influencer sur le hasard. Et c'est vrai que moi, ça peut me plaire, parce que dans les roguelite deck building, j'aime pas trop le hasard. Parce qu'on a beau se créer un deck de cartes, et on ne peut jamais les cartes qu'on a vraiment envie. Mais là, en plus, c'est deck building plus dés. Et les dés, on va pouvoir maîtriser, en tout cas, de plus en plus l'incidence que les dés auront sur le jeu. Je crois que j'avais encore un petit truc à dire à son sujet. Eh bien, non, c'est à peu près tout. Voilà, constitution d'un deck de chimères. Voilà, les monstres qu'on capture s'appellent les chimères. Et possibilité de personnaliser ces dés pour limiter l'aspect aléatoire. Bon, bah apparemment, oh, vous avez l'air confiant, hein. On verra. Est-ce que Dja sera à l'heure pour le stream point and click? Ah, ça, je ne sais pas. En tout cas, il a un stream vendredi, et c'est tous les jours Dja maintenant, c'est tous les jours.
Et donc, Dja sera à l'heure pour vous à 76%. Bon, moi, je dois vous avouer un truc. Je crois qu'à chaque fois que Dja m'a dit qu'il sortirait une vidéo à une date, je crois qu'il a tout le temps tenu la date. Donc, vous avez raison de croire en lui. Je crois en toi, Dja. Allez, on va continuer sur l'actu. Eh ben oui, on en parlait tout à l'heure. Alors, je vais en parler très brièvement maintenant. Ayuden Chronicles, Rising, donc ça je parle pas de Android Heroes qui sort mardi prochain, je parle de Rising qui est sorti il y a un peu plus d'un an désormais, qui se veut être une sorte de préquel de Android Heroes. Eh bien il est actuellement disponible gratuitement, donc déjà vous étiez en train de vous poser des questions dans le chat, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien, déjà il est gratos si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online, ce qui simplifie les choses, il est gratos jusqu'à jeudi. 18 avril, hein, c'est ça, ouais, jeudi 18 avril, 23h59, donc ça vous laisse 2-3 jours, alors vous aurez du mal à le finir en 2-3 jours parce qu'il a quand même une durée de vie à peu près correcte, mais à l'heure actuelle il est gratos, et si ça vous plaît, il est vraiment en grosse promo, alors je me le suis noté, je me le suis pas noté, mais il est à 4€ et quelques au lieu des 19,99€, si je dis pas de bêtises, mais il y a vraiment une promo un peu correcte. Ouais, il est gratuit si vous payez, voilà, bon, il est gratuit si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online. Vous pouvez être abonné au Nintendo Switch Online pour plein d'autres raisons. 5€ si on a rendu, ouais, c'est ça. Mais je crois que c'est pas 4,99€, j'aurais dit 4,76€. Enfin, ça me paraissait bizarre comme prix, mais... Rising est sympa, on va en parler dans le hack en coujou, parce que, évidemment, un truc gratuit pas cher, le pingre que je suis s'est dit, tiens, on va regarder, et puis évidemment, c'est quand même une petite mise en jambe fort sympathique avant le gros morceau qui arrive la semaine prochaine. Bon, allez, on continue l'actu. Eh ben, on va continuer avec les jeux gratuits. Les jeux gratuits si on paye. Les fameux jeux gratuits si on paye. Non, si, je dis pas de bêtises. Si, les jeux gratuits si on paye. 3 ajouts sur le Nintendo Switch Online. On est bien sur le Nintendo Switch Online. On n'est pas sur le pack additionnel, puisque là, ça ne concerne que, entre guillemets, des jeux Super Nintendo Amazing Eberike. Alors attendez, je me suis pris des notes, hein. Je sais ce que c'est Amazing Eberike, hein. J'ai pas l'air comme ça, de tête je sais plus, mais hop, j'arrive plus à tourner mes feuilles. Où es-tu Amazing Eberike? Bah je sais plus, j'ai perdu ma feuille, elle est là. Donc Amazing Eberike, non, en fait c'est à cheval sur deux feuilles, c'est pour ça que je m'en sors pas. Voilà, c'est un jeu de combat créé par Sunsoft, jamais sorti au Japon. Ce qui est amusant, c'est qu'au Japon, il s'appelle Sugoi Eberike. Par contre, petit astérix, il était déjà disponible ce jeu sur le Nintendo Switch Online japonais depuis fin 2020. Donc il arrive seulement maintenant en Occident. Super R-Type, qui est à mon avis quand même le plus gros morceau de cette sélection. Super R-Type, bon, c'est un jeu de la Super Nintendo plus que connu, qui a lancé... vraiment le grand représentant de la saga R-Type. Et d'ailleurs, ouais, fun fact, je l'ai relu entre deux, le jeu était au lancement de la Super Nintendo en France. C'est-à-dire que quand la Super Nintendo est sortie en France, il y avait 5 jeux. Évidemment, il y avait le Mario World, mais il y avait Super R-Type. Voilà. Bon, bah en tout cas, il est disponible, tout comme Wakering Crew 98. Je ne savais même pas que ce jeu existait. Je connaissais l'existence de Wakering Crew. Vous pouvez aussi faire un sondage sur mon accent anglais pourri, hein, n'hésitez pas. qui était sorti sur NES plus de 10 ans avant ça, parce que d'ailleurs on retrouve dans ce jeu le premier antagoniste de Mario, je crois que j'avais noté son nom, Spike, ouais c'est ça, Spike, ça met en scène Spike. Spike qu'on retrouvait d'ailleurs de façon, un bon clin d'œil qu'on retrouvait dans le film Mario The Movie. J'avais pas connaissance de cette sortie améliorée du jeu sur Super Nintendo, mais en tout cas, voilà, vous avez 3 jeux pour cette semaine. Eberike 2 sort sur Switch, ah d'accord, en boîte chez Red Art, et bien je ne savais même pas, merci beaucoup Justobart, je pensais vraiment que c'était genre la licence oubliée depuis 35 ans. Ok. Merci beaucoup déjà pour l'info complémentaire. Alors, bon ben voilà, je switch, ben j'ai vu Toony, il a lancé le sondage, lequel des trois vous intéresse le plus? N'hésitez pas à répondre. Alors, autre annonce, je sais pas si ça va être bien. Je sens que ça va rigoler, est-ce que c'est bien ça? Alors, regardez-moi le Sarzan Sunny, je veux bien entendu parler de... One Piece Odyssey qui va arriver sur Switch après être sorti en janvier 2023 sur les autres consoles, hein, PS4, 5,
Xbox One Series, si je dis pas de bêtises. Ça, c'était au début de l'année dernière, donc il y a plus d'un an. One Piece Odyssey arrive sur Switch. Donc ça, c'est bien, trailer Switch, parce que c'est évidemment la grande question qu'on va se poser, c'est comment ça va tourner sur Switch. C'est quand même quasiment un open world, ou plutôt des grandes zones ouvertes. Bon, le trailer a pas l'air trop moche. Voilà. Il a pas l'air trop fluide non plus, mais bon. On va dire que ça passe. Sur un malentendu, ça passe. Non, faut espérer que ça passe. Bon, Bandai Namco, ils ont quand même fait des adaptations plus que correctes sur Switch. Donc, on peut espérer que ça se passe bien. Si vous êtes fan de One Piece, c'est pas un mauvais, c'est pas un mauvais épisode. J'avais retrouvé sa note métacritique qui était pas cata. Il a eu 73% métacritique. Pour une adaptation de licence d'anime, c'est plutôt correct. On est vraiment dans un RPG en open world. Plutôt ambitieux dans l'univers One Piece, même si on sort de la trame narrative des mangas. Donc voilà. Je sais pas si vous l'avez fait. Ce One Piece est dégueulasse de base. Voilà. Oui, les autres étaient plus bons en cel shading. Ils ont voulu changer de genre. En fait, moi je le trouve plutôt beau sur PS5. Et en fait, j'ai peur que la profondeur qu'il peut avoir et les détails qu'il peut avoir du fait qu'il est plus réaliste sur PS5, on va se retrouver avec un truc beaucoup plus crado sur Switch, quoi. Ouais. Ça aurait été vraiment du cel shading, ça serait beaucoup mieux passé sur Switch. C'est pas du tour par tour, hein, c'est du temps réel, c'est de l'action RPG. Alors, si quelqu'un y a joué, corrigez-moi, mais pour moi c'est un action RPG, hein, de ce que j'ai vu sur les trailers et ce que j'ai vu passer. Je n'y ai pas joué, je ne pourrais pas vous dire. Alors, résultat du sondage de Toon, lequel vous tente le plus parmi les trois jeux du Nintendo Switch Online là, qui sont en train d'arriver? Je crois que j'avais même pas donné la date. Bah parce que je ne l'ai pas noté la date, c'est aussi simple que ça. Mais non, ils sont dispo, je crois, ils sont dispo. C'est du tour par tour le One Piece. Eh ben merci Toon, tu vois. J'ai pas menti, j'y ai pas joué. Donc merci. Super R-Type, oh quelle surprise, sort largement en tête. Ebereke 9%, Wrecking Crew 4%, et Setunas, des trucs 36%. Et je suis pas surpris parce que la réalité, hein, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui les lance ces jeux. Ou si des fois on les lance une fois pour avoir la petite mission des points platine. Mais c'est tout. Mais c'est tout. Bon, je fais ça. Hein, je suis transparent. C'est bien les points platine. Allez, j'ai encore quelques news à vous proposer. On va continuer dans les dates de sortie après ce One Piece. Ah, je crois que j'ai même pas donné la date de One Piece. 26 juillet. 26 juillet, voilà. On va parler de Chia. Alors Chia, on savait déjà qu'il arrivait sur Switch. On n'avait pas la date. Maintenant, on a la date. Il arrivera assez vite. Le 27 juin. Voilà, donc le 27 juin, c'est dans deux gros mois. Je crois que Toon avait dit c'est pas terrible. Mais je peux me tromper. Non, il a pas dit ça. Excusez-moi, j'ai un retour aux vidéos. Tu dis des conneries, Soli. Ah, j'aurais dit. On doit avoir un autre jeu en tête. Donc, Tia arrive le 27 juin 2024. Il est déjà en précommande pour 29,99€. Vous pouvez sinon prendre la version améliorée, l'édition Oleti à 34,99€, incluant la Kepler Customization Pack. Qu'est-ce que c'est? Pour 5€, vous avez le droit à 4 ensembles de costumes pour Tia et 4 packs de personnalisation pour le bateau. C'est super, gardez vos 5€. C'est Payo qui a pas trop kiffé. Ah bah voilà, je savais qu'il y en avait un des deux qui avait pas trop kiffé. Donc c'était ça. Et Toon qui a bien aimé Chia. Ah bah voilà, bah désolé, j'ai tout inversé. Bon, ça doit être pas mal quand même. C'est entre les deux. C'est entre Mouf et j'ai kiffé. Donc c'est bien. C'est bien. Ça m'intéresse du tout. Ça m'intéresse. J'ai pas joué. Et ben voilà, je l'ai fait. Ah bah Seb, tu l'as fait sur PS5, excellent. Ouais, moi il me tente bien, un petit jeu de chill comme ça, ça me tente bien. Ça me tente bien pour Chia. Qu'ai-je d'autre? Je vous garde le meilleur pour la fin, vous vous en doutez bien. Non, bah je crois que sur les vidéos c'est fini, il me reste deux news qui ne sont pas vidéos, mais qui sont imagées. Non, celle-là on va la passer en deuxième. On va passer celle-là en première et on va remettre 2-3 petits trucs dans l'ordre. Oh, regardez ces merveilleuses têtes de vainqueur. Alors, le vu monsieur à droite, il ne vous intéresse pas. Le monsieur qui est censé vous intéresser, c'est plutôt celui à gauche qui a la casquette de Luigi. Puisque ça, c'est juste pour annoncer que Gio Corsi
Donc le monsieur avec la casquette de Luigi a rejoint Nintendo cette semaine et son rôle, rôle très important, sera de s'occuper des éditeurs tiers. Comme de par hasard, c'est vrai que bon, on vous en a plusieurs fois parlé sur la chaîne, que ce soit en vidéo, que ce soit en live. Je sens, on le sent, hein, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse analyse vidéoludique pour le sentir, que Nintendo quand même tente de plus en plus de se rapprocher des tiers. Il y a eu un vrai travail qui a été fait sur Switch, et je pense que sur une future console, il y aura encore un énorme travail qui sera fait à ce sujet-là. Donc, bien voilà, mettre une nouvelle tête chez Nintendo pour se charger des relations avec les éditeurs tiers, c'est une bonne chose. Alors, vous êtes peut-être déjà au courant de cette info, vous avez sans doute vu des gros titres qu'un ex-employé de Sony rejoint Nintendo. C'est pas tout à fait vrai. Ce monsieur effectivement travaillait pour Sony PlayStation jusqu'en 2019. Alors je ne sais pas trop ce qu'il a fait de 2015 à 2019, mais en tout cas jusqu'à 2015, il s'occupait essentiellement des tiers, hein, comme de par hasard, sur PS Vita, hein, comme de par hasard. c'est tout de suite un peu moins glorieux. Mais voilà, c'était son rôle chez Sony, il s'occupait des tiers sur PS Vita. Il est parti de PlayStation en 2019 et il a rejoint... pas n'importe qui, puisqu'il a rejoint Iron Galaxy. Alors, j'ai pas trop cerné quel était son rôle sur Iron Galaxy, mais c'est pas des inconnus, puisque Iron Galaxy, c'était les principaux sous-traitants de Retro Studio dans la création de Metroid Prime Remastered. Donc, bon, voilà, il y avait déjà des petits liens qui se sont créés avec Retro Studio. Moi, voilà, dans tous les cas, quel que soit son pédigré, quel que soit son passif, ça reste une bonne nouvelle. Et alors, sympa le cosplay pour la petite blague. Donc ce monsieur s'appelle Gio Corsi, hein, je crois qu'il est italien, ça fait très italien. Tout ce que je sais, c'est que son papa s'appelle Mario, il s'appelle réellement Mario. Voilà, c'est pour ça qu'il a la casquette de Mario. Voilà, vous savez tout. Joli le cosplay. Et ben voilà, on va parler de la dernière actu que vous avez déjà teasée lors de l'intro de la chaîne. Demain, Indie World, ouais, je vois tout. Stilsong. Eh ben non. Eh bien non, comme d'habitude, pour chaque Indie World, vous aurez une vingtaine de jeux que vous ne connaissez absolument pas et qui sortent de nulle part pour la plupart. Voilà, c'est ça un Indie World. Un Indie World, la plupart du temps, c'est, allez, 90% d'annonces de nouveaux jeux qu'on ne connaît pas. Comme c'est indé, c'est forcément de licences pas connues. Ça fait très 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 longtemps que l'Indie World n'a pas été vraiment la scène pour mettre en avant un très gros jeu indé. Hein, on pense tous au même. C'est vrai que Stillsong, ça a encore bougé cette semaine, mais on en a parlé la semaine dernière. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en reparler cette semaine? Parce qu'il a été certifié sur un organisme australien, mais l'organisme australien, il a certifié tellement tout et n'importe quoi ces derniers temps que... peut-on vraiment s'y fier? Je pense qu'il y a un petit plaisantin dans cet organisme australien. Donc, difficile de dire si ça bouge vraiment du côté de Stillsong, quoi qu'on puisse en dire et en lire, mais je ne pense pas que c'est l'endroit pour parler de Stillsong. Non, il y aura des annonces, il y aura plein d'annonces de nouveaux jeux indés. Il y aura peut-être, on va voir justement dans le AAA Initiative, des jeux qui ont été annoncés sur PC, qui pourraient tourner parfaitement sur Switch et qui attendent peut-être l'Indie World pour officialiser leur arrivée sur Switch. Moi, ça me paraîtrait pas impossible. Je sais que Just... Je sais que Just Bart sur le Discord a parlé du remaster des Chevaliers de Baphomet. Alors, Revolution Software, je pense qu'on peut les considérer comme des indés. C'est vrai qu'ils teasent beaucoup sur le fait que leur jeu va vraiment sortir très très bientôt. Hein, on parle du remake des Chevaliers de Baphomet, enfin de Broken Sword. Peut-être, pareil, mais ça rentre pas dans ma définition de l'Indie World qui est de présenter des nouveaux jeux. Ça, c'est des jeux, on sait qu'ils arrivent déjà. Donc, je ne sais pas. On peut espérer une licence Nintendo confiée à des indés, ça serait vachement cool. Ça, Réorine, t'as parfaitement raison, quand ils avaient fait l'annonce, mais c'était le meilleur Indie World. Un Indie World où, à l'intérieur, il y avait Cadence of Hyrule et il y avait Cuphead. Et les deux annonces étaient folles, parce que Cuphead, ça restait un jeu Microsoft jusqu'à ce moment-là, et Cadence of Hyrule, par Breath of Surf Games, c'était quand même un vrai, vrai, vrai bonheur. Et ça fait longtemps que je trouve pas qu'on a des Indie World de cette ampleur. C'est vraiment redevenu limite wholesome game, hein, les Indie World ces derniers temps. Alors j'ai rien contre les jeux wholesome, c'est juste que c'est souvent quand même des petits projets. Voilà.
Organisme sud-coréen, ouais, Aeron 6. Alors, l'organisme sud-coréen, on en a parlé la semaine dernière pour Silsong. C'est pour ça que je disais que cette semaine, il n'y avait pas grand-chose de plus à part l'organisme australien auquel je ne fais pas confiance. Authorize, meilleur jeu du monde, était au dernier Indie World. Tu as parfaitement raison, Gojuju. Et c'est vrai que c'était, ça casse un petit peu. Ben, c'est un peu mon exception qui confirme la règle. En espérant que ça ne sera pas uniquement du pompage de catalogue Steam. À 50% À 50%, ça sera ça. Hades 2 serait incroyable, mais oui, ça serait incroyable, mais on en est tellement loin d'Hades 2. Déjà, Hades 2, il faut qu'il rentre en accès anticipé sur PC, ce qui n'est pas encore le cas. Et ensuite, dans un an, voire deux, il sera sur une console Nintendo. Et peut-être pas celle que vous avez dans votre maison. Donc voilà, voilà ce que j'en pense de Hades 2. Ouais, des collabs Zelda, des collabs avec tout et n'importe quoi. Il y a tellement de jeux Nintendo qui se prêtent facilement à une collab avec des jeux indés que ça serait vraiment cool. Mais Nintendo serre un petit peu la vis. Alors j'ai vu que Toon a lancé un sondage. Malheureusement, j'ai été trop lent. J'ai pas vu le libellé du sondage, mais c'est pas grave. C'est oui ou non, et a priori, ça va être oui. Ah oui, ça, si, si, je crois que j'ai vu. C'était êtes-vous hypé pour l'Indie World? Ça doit être ça. Et évidemment, ça va être oui. Évidemment que ça va être tout. Excusez-moi, je me gratonnais. Tout ça pour dire que on a fini l'actu. Voilà, vous êtes chaud pour l'Indie World. Oui à 90%. Ah oui, j'avais pas vu. Oui à 9%. Et donc, YouTube a voulu quand même dire non à 1%, parce qu'il y a 1% qui se balade, donc c'est le non de 1%. Voilà. On a beau faire des trucs de dictateur, il y a quand même YouTube qui te dit... Je veux Earthblade. Ah mince, en plus, on en a parlé d'Earthblade il y a un mois à peu près, parce que Extremely OK Games avait recommuniqué sur Earthblade en disant que ça serait pas pour 2024, ça serait plutôt pour 2025, si je dis pas de bêtises, j'ai ça en mémoire. Sur une news que je vous ai fait il y a longtemps. C'est ça, voilà. Mais heureusement, j'ai mon pro indé en retour qui me dit beaucoup de bien. Et ça tombe bien, parce que le pro indé qui, pour le moment, parle la langue des signes comme moi je l'ai fait lors du début de cette émission, on va l'accueillir immédiatement. Et accessoirement, commencer à attaquer les sorties de la semaine. À tout de suite. Hey, salut! Ah, bah t'es muté toi par contre! Chacun son tour! Ouais! Mais quand il y a un problème technique, il faut me demander, j'ai la réponse. Oh bah t'inquiète pas, je suis... Comme au dernier live que j'ai fait sur la chaîne de streaming. J'ai beaucoup aimé Alien Isolation. Très très bon jeu, il avait l'air très sympa. Et il s'est bonifié avec le temps. Il s'est bonifié avec le temps. Comment vas-tu, Toon? Eh ben ça va super bien. Ah. Tu vois, je m'amusais comme un petit fou à faire des sondages et du coup j'ai complètement oublié de sortir mes notes pour la suite. Oh, mais c'est bon. Je crois que c'est bon finalement. C'est pas grave. Juste une micro-alerte, j'ai fait une micro-bêtise en lançant le live. Le live tourne à 60 FPS, donc vous êtes content, vous nous voyez à 60 images par seconde, c'est génial, la fluidité extrême. Par contre, mon PC est en train de partir sur la lune. Je l'entends que ça lui plaît pas des masses, donc il est possible que, au mieux, vous ayez des saccades, au pire, ça coupe. Mais si ça coupe, ne partez pas, on revient. Le temps de mettre un pansement sur le PC. Ouais. Bon, Toon, quoi de beau sinon? T'as joué à des bons jeux? Et non, ben, ça dans le Aquaco oui. Joue, mais oui. Oui, j'ai joué à des bons jeux en plus, va falloir qu'on en parle. Ah, ça fait plaisir. Ouais, là je joue qu'à des bons jeux en ce moment, je me régale. Par contre, c'est pas sur Switch. Mais ça c'est une autre histoire. Quelle blagounette ouais. Mais donc on a un gros problème alors. Non, c'est juste que je n'y ai pas joué sur Switch. Ah, d'accord. Nous sommes d'accord. Mais le chat ne comprend strictement rien de ce qu'on raconte, donc on va déjà commencer par parler de ce qui sort, ce qui est sorti et ce qui va sortir cette semaine. Alors, juste pour information, j'ai ma femme qui passe devant moi, mais qui passe à quatre pattes, pensant qu'elle va être vue dans la webcam, mais il faut qu'elle sache que la webcam va de mon côté, elle ne va pas du sien. Donc, pas besoin de passer comme... C'est original. Trop de détails, Chili. Trop de détails.
Bon, attention Sully, tu vas avoir un communiqué qui rageait sur les Blades. Ah oui, SF, les FPS. Allez. Ouais. Donc, on va commencer. Alors, la semaine a commencé lundi, c'est très rare, donc j'aime à le répéter. Avec, alors là c'est pour vous, hein. Je sais que vous aimez ça. C'est une fausse japonaiserie. C'est Dream Tactics. Mais arrêtez avec ces trucs brochettes fromage, c'est naze. C'est un tactical RPG qui a l'air assez sympa. En tout cas, c'est une vraie sortie. Donc, c'est, voilà, on est dans le monde des rêves. C'est aussi un jeu de deck building. Donc, c'est un tactical avec du deck building. C'est pas du tout un roguelite, attention. C'est très inspiré. Alors là c'est la cinématique, hein, mais c'est très inspiré des, EGBA, des jeux GBA. Vous allez voir le jeu vidéo, ça n'a. C'est joli ça. Voilà. Ouais, j'aime bien ça, moi. Bah oui, tu vois. Non, parce que c'est vrai que le début, la fille avec les cheveux verts et les oreilles de chat, bon, ok, j'ai compris. Mais... Non, des oreilles de lapin, je crois que c'était. Non, regarde. Non, je mets pas n'importe quoi quand même. Donc, il y a plus de 100 cartes différentes apparemment. Mais après, c'est très classique. Hein. On va recruter des personnages qui ont des cartes qui leur sont liées. Donc, on va vouloir mettre dans notre groupe pour utiliser leurs cartes, etc. Le jeu n'est pas du tout encore sorti. Hein. Il n'a pas eu de sortie PC avant. Donc là, ça va être une surprise. Et il est vendu 18€. Voilà. J'ai pas beaucoup plus d'infos dessus, malheureusement. Surprise. Ouais, c'est mignonnet. C'est mignonnet. Bon, je vois que ouais, juste pour. Sympa, hein. Ouais, non, si, ça a l'air sympa. Mais c'est vrai qu'on a l'impression d'en avoir vu quand même 48 des jeux comme ça, quoi. Par contre, Negetsu soulève un point très intéressant. Je suis vraiment pas sûr qu'il tienne le 30 FPS celui-là. Constant. Ça serait grave. Par contre, pour Feitital qui veut pas dépasser les 3 gigas de consommation par semaine, bah oui, tu as parfaitement raison, Feitital. Un petit stream en 240p ou en 480p, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est au moins ça passe. Donc ça, c'était lundi, et je suis couillon, j'ai noté que le lundi, après je sais pas quel jour c'est, mais si je crois me rappeler. Donc là, mardi, donc aujourd'hui, il y a eu plusieurs sorties. Au moins, il y en a eu 3. Et la première, alors Rose et Camellia Collection, édité par Wayfarer. Tu l'as vu passer le trailer, celui, ou même pas la surprise ? C'est surprise, totale surprise. C'est, surprise. C'est un jeu de slap battle. Slap, clac. Oui, oui. C'est oui, ça, c'est pour moi, slap, c'est une claque. Avec ta Wiimote. Avec ton Joy-Con, je veux dire. Tu mets des claques comme ça. Pour la petite histoire, c'est un jeu qui est développé par Nigoro, celui qui a fait Lamulana. Donc, les fans de Metroidvania connaissent Lamulana. C'est le même dev, donc rien à voir avec Lamulana. Là, en fait, on incarne une jeune femme qui se retrouve veuve très rapidement, une femme de basse condition qui se retrouve dans la haute société et qui va devoir se faire une place à coups de claque. Et donc, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment, on met des claques. Et il y a 5 jeux. Il a fait 5 jeux et la collection comprend les 5 jeux de baf. J'adore le trailer qui commence comme un jeu de drague. Et en fait, non, c'est une chose. Le gameplay qui est totalement déconnecté du trailer, rien à voir. Mais c'est génial, je suis tombé là-dessus, j'ai fait mais ça a l'air trop bien. Donc j'ai aucune idée de la durée de vie, même si je me doute que ça doit être très très court, même avec 5 jeux dedans. C'est vendu 20€, et donc la baston de baf, ça se passe vraiment comme une baston de baf, c'est-à-dire que chacun tape à son tour, t'as pas le droit de taper entre temps. Par contre, tu peux esquiver, tu peux donc doser la force de ta baf, tout ce genre de trucs, quoi. Technique. Oui, non, mais je pense qu'il y a un vrai petit gameplay derrière, mais bon, voilà, c'est pour le fun, et puis le fait de pouvoir le faire avec son Joy-Con, ça doit être assez sympa. Donc voilà, ça, c'est vendu 20€ quand même, hein, bon, ah, 5 jeux, mais 20€. Et ça ne vous sera pas présenté la semaine prochaine. Il y a peu de chance. Mais moi, ça m'a fait beaucoup rigoler, en tout cas. Autre chose, alors oui, donc là, aujourd'hui, c'est la sortie des jeux Microsoft. Enfin, bon, Planet of Lana n'est pas un jeu Microsoft, mais il avait une exclu Xbox pendant un an, je crois, quasi tout pile. Il a été sponsorisé, ça c'est sûr, oui. Ouais. Bah, il a eu une exclu, hein, vraiment, une exclu temporaire d'un an. Donc, ceux qui ne connaissent pas encore Planet of Lana, c'est un inside-like. J'ai envie de dire tout ce qu'il y a de plus classique, presque. Moi personnellement j'ai fait le jeu, donc là ils annoncent 5 heures de durée de vie, je crois que c'est à peu près ce que j'ai mis, 4-5 heures, un truc comme ça. On est sur
On va dire en termes de structure, il prend pas beaucoup de risques. Par contre, au niveau de la direction artistique, et c'est là-dessus qu'il a chopé tout le monde, il est magnifique. Ça marche très très bien. Il y a une histoire qui est plus profonde que ce qu'on pourrait penser, avec bien sûr très peu de mots. Hein, les personnages parlent une langue qui n'existe pas. Il y a ce lien. Si la petite originalité, c'est le lien entre le personnage et la petite créature, dont je ne me rappelle pas le nom, mais qui m'a fait penser un peu à The Last Guardian. En beaucoup plus léger. Mais voilà, c'est plutôt une bonne expérience. C'est vendu 20 euros par contre. Bowl, on dirait The Last Guardian. Alors franchement, je sais pas où vous voyez la similitude entre les deux jeux, mais ok. Non, mais je vois vos deux cerveaux interconnectés. Quand tu l'as à l'oreille, c'est le fait de donner des ordres dans une langue qui n'existe pas au petit bestiau. À la petite bébête. D'accord. C'est là où tu te dis, ok, il y a. Il y a eu une inspiration quelque part, c'est quasi sûr. Ouais. Voilà, moi j'ai passé un bon moment dessus. C'est loin d'être mon Inside Like préféré, mais c'est un bon jeu. Voilà. Et c'est édité par Thunderful, tu vois, ça je l'ai découvert en faisant le calendrier. Ah, ouais. Thunderful, c'est SteamWorld, les jeux SteamWorld. Ils ont récupéré ça au passage. Voilà. Ouais, c'est marrant d'ailleurs. Pourquoi c'est pas. Non. Est-ce que c'est Microsoft qui avait édité le jeu sur Xbox? Je sais pas. Non, je crois pas. Il était peut-être arrivé comme ça, donc ok. Ouais. Voilà, et donc l'autre jeu qui nous vient de la galaxie Microsoft, qui lui est vraiment un jeu Microsoft, parce que c'est développé par le studio Obsidian. Yes. C'est Grounded. Yes. Grounded, un très bon jeu de survie. Alors je dis très bon, moi je sais pas, j'y ai pas joué, mais les retours sont très très bons. À voir comment ils tournent sur Switch. On a des retours là-dessus ou pas encore? Ben non, pourtant il est sorti aujourd'hui, donc on devrait avoir des retours, mais j'ai rien vu passer. Je me fais pas de grosses inquiétudes. Franchement, Microsoft, ils savent booster leur portage Switch. À chaque fois qu'ils en ont fait, ça se passait quand même très très bien. Bon, il sera un peu dégradé visuellement, mais je pense que ça tournera bien. Ouais. Donc, jeu de survie assez classique dans ses mécaniques, mais là, ce qui change vraiment, c'est le setting, donc à la chérie, j'ai rétréci les gosses, avec des critiques qui sont toutes d'accord pour se dire que le jeu est très très bien. Hein. Tout ce qu'il fait, il fait peut-être rien d'extrêmement original en termes de mécanique, mais il le fait très bien. C'est vendu 40 euros et il y a un scénario, donc si vous voulez faire le scénario, c'est une trentaine d'heures de jeu. Et bien sûr, si vous voulez jouer à ce jeu comme il faut y jouer, c'est... des centaines d'heures de jeu. Mille heures de jeu. Je me demande toujours, quand on dit ambiance chérie, j'ai rétréci les gosses, si on est vraiment des vieux qui parlent aux vieux ou si ça parle encore au jeune public. Alors, mon fils de 7 ans, 8 ans maintenant, a regardé, mais parce que je lui ai fait regarder. Oui. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Mais c'est un classique. Oui, c'est un classique. Je crois. C'en était un, en tout cas. C'en était un. Ouais, c'en est toujours un. Mais avant, il y avait une attraction chez Disney qui était Chérie, j'ai rétréci le public. Je ne sais pas si ça existe encore. Donc, ça maintient un lien, oui. Peut-être. Ouais. Ah bah regarde, Bowl qui nous dit oui, ça parle aux jeunes. Merci, Bowl. Ah, merci, Bowl. Un petit peu moins vieux grâce à toi. Ouais, ça me rassure. Les jeunes ne connaissent pas. Ah merde. Ça a même été retiré de Disney. Ok, merci. Adieu. Mais oui, en plus, je suis gros, ça a été complètement retiré. Ouais. Merde. Bon. Par contre, ils ont laissé les poupées dégueulasses. Ils font... Mais alors, ça, c'est terrible. Parce que ça, tu vois, quand t'es petit, c'est horrible. Mais quand tu reviens un peu adulte, ben finalement, c'est pas si mal. Ah, c'est mignon. Bon, par contre, la musique, tu l'as dans la tête pendant 8 ans, mais c'est mignon. Ah oui, ça, c'est un enfer. Ça, c'est un enfer. Oui, donc. Planet of Lana, sortie physique. Je crois pas qu'on a d'infos sur une sortie physique de Planet of Lana. Grounded a une sortie physique. Grounded a une sortie physique, oui. On passe à jeudi. Alors jeudi, il y a un petit jeu très sympa qui sort déjà, pour commencer par lui, qui s'appelle Trackline Express. Je dis très sympa parce que j'ai fait la démo. Il y a une démo sur Steam. Mais on l'a vu passer. C'est lui. Il nous avait fait tellement rire dans cette conférence toute pourrie. Elle était pourrie la conférence. Elle était un peu chiante quand même. C'était la GFrench Direct, non? Ouais, c'est ça. Alors, le jeu n'est pas français, je l'ai appris, il est luxembourgeois, donc il est francophone. Ok, passe. C'est un jeu de gestion-survie. C'est assez simple à appréhender parce que donc on a cette fameuse locomotive. Il va falloir avancer de la gauche vers la droite, sachant qu'on est bloqué à chaque fois. Et il faut donc
crafter des trucs pour nous permettre d'avancer ou de tout simplement gérer les problèmes comme du feu, comme des bandits qui nous attaquent, sur lesquels il faut cliquer. Enfin, j'ai joué sur PC, donc je devais cliquer. Il faut cliquer comme un malade pour les buter. Et c'est un jeu, voilà, c'est très facile à prendre en main, c'est très agréable. J'adore la direction artistique, qui me fait beaucoup rigoler. Et voilà, donc là, les développeurs parlent d'automatisation. C'est un couple, hein. Quand je dis les développeurs, c'est un couple. Il parle d'automatisation par la suite, donc ça me parle, parce que c'est vrai qu'il y a des trucs qui peuvent être pénibles, et le fait de pouvoir mettre un peu d'automatisation là-dedans, ça peut faire plaisir. C'est des runs il faut compter des runs de 4 heures qui sont générés procéduralement, mais il y a aussi d'autres modes de jeu. Voilà. Ah, mais c'est... de run, mais tout à fait rejouable. C'est... Pour 12 euros, j'ai pas dit, pour 12 euros. Ce trailer était vraiment à mourir de rire, et puis c'était le running gag de la conférence, parce qu'ils l'ont mis en 3 ou 4 morceaux, et c'est vrai qu'on comprenait pas où ça voulait en venir, voilà, et là on commence à voir des images de jeu d'ailleurs, et on comprend beaucoup plus ce qui se passe. Non, ouais. Je suis méchant, en plus là j'ai French Direct, j'ai pas un souvenir si mal que ça, mais en fait j'ai pas un souvenir mauvais, mais je me rappelle plus des jeux. Si, je me rappelle qu'il y avait un jeu tout chelou qui était présenté à la fin, un peu... je sais plus, une sorte de république futuriste, et on n'avait rien compris. C'était un trailer très, enfin bref, très conceptuel. Ouais, je m'en rappelle même plus. Attention à vos votes. Voilà. Donc ça, c'est Trackline Express. Ça sort jeudi. Et voilà, pour moi, pour avoir fait la démo sur Steam, sympa. Si on aime le genre un peu gestion survie, ça peut être très sympa. En tout cas, très très sympa la prise en main. Voilà, je crois que c'est jeudi aussi, sort un autre Inside Like, j'arrive pas à prononcer mes mots aujourd'hui, A Tale of Paper Refolded. Donc ça c'est, alors on est presque, c'est ça. On est presque sur un Little Nightmare en termes de parce qu'on est, même plus sur de la 2D, là on est un peu sur de la, c'est de la 3D, hein, mais vu de côté. Donc il y a pareil, il y a une démo sur Steam, je l'ai faite. Très courte, parce que le jeu visiblement est extrêmement court, ils annoncent 2 heures de durée de vie, sachant qu'il y a un post-game qui peut en rajouter un petit peu, mais voilà, c'est un jeu très très court qui est vendu 14 euros. Mais sinon, dans ce qui fait d'original, c'est que notre personnage, vu que c'est un bout de papier, peut se transformer grâce à la puissance de l'origami, parce qu'il peut se transformer en crapaud qui fait des bonds gigantesques, il peut se transformer en boule de papier tout simplement pour rouler dans les tuyaux, c'est ce que j'ai vu dans la démo, et ils annoncent 7 transformations au total, 7 transformations différentes. Le souci, bah, c'est qu'il sort la même semaine que Planet of Lana. Ouais. Et là, je pense qu'au niveau comparaison, alors c'est pas la même ambiance, on est d'accord. Non. Mais on est vraiment sur le même genre de jeu, donc... C'est... Malheureusement, il risque d'en pâtir. Il y a vraiment, vraiment aussi un feeling, comme tu l'as dit, un Little Nightmare. Alors, oui. Bon, là, le fait est, au moment où je dis ça, il y a plus de couleurs, mais... Non, mais c'est beaucoup moins horrifique, mais oui. T'as vraiment ces points de vue et tout qu'on trouve dans Little Nightmare. Ouais. Les couleurs, les... Ouais. D'ailleurs, mais je me posais la question, A Tales of Paper Refold, souvent oui, quand ils mettent... C'est une version... C'est une version améliorée, ouais, il est déjà sorti. C'est une version améliorée, ouais. C'est ça, d'accord. Moi, je le connais pas du tout, mais ok, c'est un jeu qui est sorti il y a quelques temps déjà. Ouais, il est sorti. Alors, cette version est sortie en 2022 sur PC et la version originale, je ne sais même pas. D'accord. Alors, entre deux, j'ai lancé un petit sondage. Hein, c'est pas fini hein, pour les sorties, ouais. Je vous rassure. Petit sondage sur l'âge. Très important, l'âge. À partir de quel âge est-on vieux ? Je suis rassuré de voir que dans le chat, on va bientôt pouvoir ouvrir tous ensemble une maison de retraite. Ça va être très sympa. Venez, tous les amis. Non mais ça me rassure, on n'est pas les plus vieux hein. Non, Yata 1 qui dit on me surnomme l'ancien au taf. Ah, j'avoue, ça pique. Ouais, j'avoue, là moi ça me plairait pas, j'avoue, ça pique. On parle des ouais, pads. Il reste un petit jeu, et yes. Quand je dis petit jeu, je ne mâche pas mes mots. Qui sort vendredi, un ou deux? Oui, non, un. D'accord, alors oui, il y en a un qui a été repoussé. D'accord. C'est le jeu avec les chats. Donc oui, d'accord. Whiskas, la semaine prochaine. Whiskas, okay. Quoi. Donc le dernier, c'est Corn Kids 64. Hé, hey, les kids. On est en 2024. Ah mince, je suis mis en 720. T'inquiète pas, c'est pas grave. On est en 2024 et c'est un jeu de 64 qui sort.
de Nintendo 64, je veux dire. Ouais, c'est ça, tout à fait, ouais. Ah oui, c'est... Ah, mais c'est complètement le délire. Ouais. C'est complètement le délire. Alors, pourquoi je le mets là? Pour trois raisons. La première, c'est qu'il est... Sur Steam, il est acclamé. Vraiment, les critiques, il y a presque 1000 critiques et elles sont à 96% positives. Et quand tu lis les commentaires, elles sont extrêmement positives. Les gens disent, putain, on aurait pu y jouer sur la 64, ça dénote pas. Et il y a quand même des options de confort qui ne pouvaient pas être là à l'époque, donc ça, c'est cool. C'est Banjo-Kazooie bis. On va t'aller dire, excuse-moi. Évidemment, c'est à Banjo-Kazooie. Ouais. Parce que j'ai vu du Mario 64 dans le chat, mais c'est beaucoup plus Banjo-Kazooie, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est un collectathon aussi, bien sûr. Ah. Ils annoncent entre 4 et 8 heures de durée de vie. Donc, les 4 heures, je pense, c'est si tu fais pas le collectathon. Et les 8 heures, c'est si tu vas farfouiller dans tous les coins. C'est sorti en 2023 sur PC, donc on a déjà un petit peu de recul. Hein. C'est pour ça que je disais presque 1000 reviews. Et c'est vendu. Tenez-vous bien, 7€. Ah, bravo. Bravo, bravo, bravo. J'achète. Voilà. Ouais, voilà. En plus, même le titre, ils ont été jusqu'à mettre le 64 derrière. C'est tellement malin. Oui, oui. Ah ouais, ouais, c'est... mais voilà, ça c'est, je pense, c'est potentiellement la petite pépite de la semaine. Alors, avant de décider de la pépite de la semaine, on va clôturer le sondage où vous êtes quand même très gentil de dire « Mais lâchez donc la tête, enfin !» à 57%. Ça, peut-être pas. Et après, sinon... On est vieux à 30 ans. Ouais, bah majoritairement, les gens répondent 50 ans quand même. Bon, ça me rassure, on n'y est pas encore. Ça arrivera. Bah écoute, je vais lancer le sondage du jeu de la semaine. Le jeu de la semaine. Petite semaine, je trouve, mais... Là, il y a quand même Planet of Lana et Grounded qui sont pas vraiment des petits jeux. Surtout Grounded, hein, c'est pas un petit jeu. Hein. Alors, je vais mettre Planet of Lana off course. Je mets Grounded. Ouais, et puis Corn Kids, 64. Et voilà ce que j'allais dire. Corn Kids, ça me semble obligatoire. Et le jeu de baffe. Et ah oui, j'allais dire je mets le train, mais non, le jeu de baffe entièrement. Ah oui, non. C'était quoi? C'est Rose et Camélia. Rose et Camélia. Le jeu de baffe. Oui, Music Overall, évidemment que ça indique bien l'âge de la commu, de savoir que. C'est ça. Qu'on est vieux à 50 ans, ça veut dire que. On est tous pas très loin, quoi. Imagine d'autres youtubeurs du genre. Du genre des très connus qui ont des centaines de milliers d'abonnés qui font ce sondage. Bah, eux, leur commis, ils ont 15 ans. Donc, c'est sûr que la réponse sera pas la même. On a, je dirais, la commu qu'on mérite, mais c'est dans le bon sens du terme que je dis ça. Non, ne vous méritez pas, vous êtes trop bon pour nous. Pauvre Spocky qui, dans tous les cas, est vieille. Je suis désolé, Spocky. Non, elle est dans le stade, c'est dans la tête. Ah, mais oui, évidemment. Elle est, c'est dans la tête. Et tu n'es pas toute seule, Spooky, j'ai vu d'autres personnes à plus de 50 ans. Donc, tu n'es pas seule. Ah, bah, disons qu'il y a Planet of Lana en version physique, c'est très, très, très demandé. Donc, non, toujours pas. Toujours pas, non. Mais Seb, arrête! Non, Seb, ça me gêne. Arrête, Seb. Seb, tu me gênes. Voilà, on sait, hein. Donc Seb, c'est bon, merci Seb, merci beaucoup, mais voilà, merci Seb. Mais en plus, j'ai pas les sous-sous sur cette partie sortie de la semaine, donc vous n'aurez pas les sous-sous. Bon, merci beaucoup Seb, mais voilà, prends surtout soin de toi. Et merci Goldorion. Ça, c'est parce que mon calendrier était particulièrement bien présenté, je pense. Voilà, je pense que ça fait plaisir à tout le monde. C'est vrai qu'il n'y avait pas du gros triple A, c'est vrai qu'il n'y avait pas... Enfin, il y avait quand même du gros jeu, mais ouais, c'était du beau calendrier, bien écrit. Du gros triple A, je crois qu'on peut dire ça toutes les semaines de 2024. C'est clair. Bah, pur. Ah, ça va être ça tout 2024, tout je 2024. Vous préviens. Voilà. ouais, non, en gros triple A, à part Prime 4, mais qui arrivera un jour peut-être. Et Rumain aussi. Oh là là. D'habitude, c'est au début les souscriptions. Bah écoutez, merci beaucoup à vous trois, Rumain, Goldorion et Seb. Souscriptions qui ont profité à Jean-Christophe Maury, Music Overhaul et Spooky.
Et ben voilà, avec grand plaisir. Grounded est bien sur Switch, bon, ben c'est ce qu'on disait pendant le calendrier, on n'a pas eu l'occasion de le voir tourner sur Switch, donc je ne saurais pas quoi répondre là-dessus, et j'espère qu'on verra des let's play, des tests arriver rapidement à regarder. Ouais. Je pense que nous, on peut dire que de notre côté, je ne pense pas qu'on le mettra en avant, parce que... Pas le temps. Je suis très chargé, moi. Je suis très chargé. Ouais, et puis, est-ce que c'est le genre de l'un de nous ? Je suis vraiment pas sûr, en fait. Non. Le genre de jeu. C'est ça, le problème, aussi. Non, c'est vrai qu'il faudrait un jour, je me dis, qu'on ait un spécialiste jeu multi. On n'est pas très multi, on n'est pas très compétitif, mais... Et Overlord Sama, bah merci aussi. Tout le monde dit. Et Ashinray ? Et Ashinray ? J'ai raté ? Oui ! Ashinray aussi. Ah mais oui ! Mais arrêtez ! On peut faire un live comme ça. Donc, bah, un immense merci. Merci Ashinray, merci Overlord Sama. Et ça, cette fois-ci, profitez à Richard O'Reilly et Pitolo. Et bah voilà, oh bah pouf, tout le monde va regarder les billets de blog, c'est génial. Bientôt que des gens qui écrivent avec des pseudos verts. on y est presque, hein. Ah, on va y arriver. T'imagines, un jour, il y a quelqu'un qui offre une subscription, il y a personne qui peut la valider. Ah bah non. Alors, j'ai sous les yeux des images de Grounded sur Switch. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Alors, je sais pas si au niveau des lags et tout, je sais pas, de tout ce qui est framerate, etc. Mais en tout cas, en termes de voilà, l'image, ça rend bien. J'ai pas voulu dire de bêtises, mais je suis quasi sûr que la version Grounded sur Switch est cross-platform avec les autres consoles. Donc, si elle est cross-platform, c'est qu'ils ont confiance sur le framerate. Parce que souvent, c'est pas cross-platform parce que ça tourne difficilement à 30 FPS sur Switch et c'est à 60 ailleurs. Donc, ils se disent non, hein, on va pas les pénaliser avec ça. Mais je crois qu'il est cross-platform. Donc, normalement, ça devrait très très bien se passer. Mais oui, mais les gris, je vous aime aussi beaucoup, beaucoup les gris. Non, mais ce qui est grave, entre guillemets, Goldorion, je le vois gris alors qu'il n'arrête pas oui. de. C'est ça. Aïe, 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 aïe. Bon, eh ben écoutez, je vais tout de suite arrêter le sondage. Et puis après, on va passer à la suite. Sondage qui se clôture par le jeu de la semaine et Planet of Lana à 46%. Corn Kids 64 à 23%. Rose et Camélia, le jeu où on se file des tartes à 21%, même si je sais très bien que vous n'allez pas l'acheter. Et Grounded à 7%. Bah, tu vois, on a notre réponse de savoir s'il fallait qu'on couvre les jeux multi. Visiblement, il n'y a pas besoin. Non. Après, j'ai toujours cette tendance de me dire que on a forgé la communauté ainsi. Donc, forge la communauté avec zéro jeu multi, c'est un peu comme les jeux de baston, les jeux de bagnole, tout ça. N'est pas très bon. 20 balles la tarte, ouais, ça pique, ouais, c'est clair. Bon, eh bien, merci beaucoup Toon pour la présentation des jeux de cette semaine. J'ai un petit message, l'encodeur est en surcharge, mais tout va bien se passer. On va passer au jeu du moment, à tout de suite. Le fameux à quoi qu'on joue, nos jeux de la semaine. Oui, c'est ça, nos jeux de la semaine. Hein. On n'a pas ressorti des vieux trucs. C'est vraiment des jeux auxquels on a joué cette semaine. Toi, ouais, t'en as deux. J'en ai deux. Et merci The Wolf AMV. The Wolf, il a pas envie d'attendre un don de une offre de souscription. Je vais y arriver. Il s'abonne direct. Merci The Wolf. C'est les meilleurs qui font ça. Genre le gars. Donnez, c'est pour payer le biberon de la petite. Genre le... Voilà. 100 fois ni loi. Non, bah merci beaucoup The Wolf et bienvenue. Bon, à quoi qu'on joue ? Est-ce que tu veux démarrer ? Oui, je peux démarrer. J'avais le retour sous les yeux et j'ai vu que ça, qu'il y avait un pépin. Je sais pas si c'est que moi, mais non, c'est peut-être que moi. Ok. Donc, je peux démarrer. Il y a pas de problème. Je vais démarrer par le jeu le moins Switch, si ça te va. Ok. Ereban. Ereban.
Yes. Shadow Legacy. Parce que oui, alors ça vous le savez peut-être pas encore, parce que voilà, hein, je parle surtout de jeux indés, mais j'adore, je raffole des jeux d'infiltration, mais pas avec un peu d'infiltration, des jeux pure infiltration. Et donc, Erevan Shadow Legacy, c'est complètement ça, c'est fait par, je crois que c'est des potes à ceux qui ont fait Aragami, que tu connais peut-être, Sueli, les Aragami. On est, voilà, ça va jouer sur les ombres aussi, le twist, c'est que on peut voyager dans les ombres. C'est plutôt joli visuellement. Ce n'est pas sur Switch, hein, je tiens à le préciser. Moi, j'y joue sur. C'est le taquet, j'adore. C'est joli, c'est pas sur Switch, enfin. Ça serait sur Switch, ce serait moche, ce serait dégueulasse. Ah bah là, ça serait pas ça en tout cas, c'est sûr. Donc, c'est assez joli visuellement. C'est vendu 20€, 20 ou 25, je sais plus. Mais j'étais assez surpris parce qu'on est quand même sur un jeu d'infiltration qui a d'assez bonne facture. Donc, c'est généralement des jeux qui vont chercher un peu plus loin vers les 40-50€. Malgré la durée de vie qui est assez faible, hein, on est là sur un jeu qui est autour des 5€ si tu vas en ligne droite. Et plus, si tu fais ce que tu dois faire dans chaque jeu d'infiltration, c'est refaire les missions de plein de façons différentes. Bien sûr. Ouais, donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce Erevan Shadow Legacy. En fait, tu te déplaces dans les ombres comme tu te déplaces dans Splatoon, quand tu voyages dans la peinture. Ouais, voilà. J'ai vu, tu rentres dans la terre, voilà. Ou dans les murs d'ailleurs, donc, effectivement ça marche partout. Ouais. Ouais, ça donne lieu à un level design qui est super, qui est vraiment bien réalisé, surtout que je me dis qu'à chaque instant de la conception du level design, ils ont toujours dû... réfléchir en 4 dimensions en fait, parce que tu avais leur level design en 3 dimensions, plus l'ombre portée de ces environnements qui donnait forcément un passage aux joueurs via cette ombre. Donc c'est assez balèze parce que c'est, à part quelques petits endroits où ils trichent, j'ai vu, mais sinon la plupart du temps c'est assez bien réalisé justement à ce niveau-là, et j'ai trouvé ça très très cool. Le jeu est assez facile. Ce qui n'a pas été pour me déplaire, parce que j'aime bien juste en fait avancer et puis buter tout le monde et aller jusqu'au bout. Je viens de voir la question, pas trop dur comme jeu. Non, c'est pas dur du tout. Pour un jeu d'infiltration, il fait partie des jeux d'infiltration assez faciles. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, c'est tout décousu. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de prendre de notes. Non, c'est je suis facile. En roue libre complète. Oui, je serais pareil, je tiens à le dire. Donc il y a 8 missions. Il y a des collectibles, il y a tous les poncifs en fait du genre. On va être pour ceux qui ont fait les sticks, ceux qui ont fait les Aragami aussi, on est vraiment sur le même genre de structure de jeu. C'est quelque chose qu'on retrouve malheureusement plus aujourd'hui dans le AAA ni le AA, je dirais. Donc c'est cool, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un jeu d'infiltration qui soit bien, juste bien. Il n'est pas extraordinaire, il est bien, mais c'est tellement rare ce genre de jeu que ça m'a fait très très plaisir de jouer à ce Erevan Shadow Legacy. Qui, c'est ça que je voulais dire, qui a perdu Raw Fury, il était avec Raw Fury à l'édition, et il était censé être dans le Game Pass, ce jeu. D'accord. Ils ont perdu leur éditeur à un moment, et maintenant, c'est pour ça qu'il sort que sur Steam, avec communication... Zéro marketing. Chaud. Oh putain, allez, pauvre. Donc c'est très très chaud pour lui. Ah bah, perdre l'éditeur... Si vous aimez bien les jeux d'infiltration, ouais. Juste avant la sortie, c'est une cata, parce que c'est l'éditeur qui fait la pub, hein. Et pourtant, ouais, je trouve ça vachement malin parce que on a l'habitude des jeux d'infiltration, on va se planquer derrière des caisses et tout, mais là, comme t'es dans l'ombre et que les ombres bougent, t'es tout le temps en train de réfléchir à l'emplacement des ombres et l'emplacement des ombres au moment où tu vas sortir de l'ombre. Donc, ce moment-là, c'est rare. Ça arrive. Il y a des moments très chouettes d'ailleurs avec cette ombre qui se déplace et où toi, tu es obligé de la suivre. Mais la plupart du temps, c'est vraiment c'est l'ombre fixe. Est fixe. Mais c'est, en fait, c'est hyper satisfaisant parce que, en gros, tu vois un ennemi au loin, ils te voient absolument pas quand t'es dans l'ombre. Donc, tu passes sous leurs pieds, tu ressors de l'autre côté, tu les tues. Donc, c'est des robots, donc c'est pas grave. et puis voilà, et donc il y a un côté très satisfaisant. Il y a évidemment, on peut évidemment faire les niveaux sans tuer personne, ce qui rend le jeu un petit peu plus difficile, mais aussi beaucoup plus rapide parce que du coup, tu traces tout droit. Et il est que PC actuellement, ouais, effectivement. Donc ça, je pense que c'est parce qu'ils ont perdu leur éditeur. Donc oui, si jamais vous avez un PC et que vous aimez les jeux d'infiltration, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil parce que c'est un jeu qui, je pense, va galérer grave à se faire une place. Ouais. Et il vaut le coup qu'on se penche un peu sur lui. Alors je vois Scale, hein, tu dis il faut qu'il envoie plein de clés aux youtubeurs et streamers. Il y en a beaucoup qui font ça et c'est
des fois, c'est pas une bonne solution. C'est très compliqué en réalité parce que ça m'arrive hein, d'en recevoir des clés de jeux que j'ai pas demandé. Et souvent, quand tu demandes pas le jeu, bah t'es déjà sur trois autres trucs et tu laisses la clé mourir dans un coin. Hein. C'est assez compliqué. C'est le développeur de Buisson, j'ai oublié, Doc Giro, merci. Qui avait d'ailleurs expliqué ça. Il avait expliqué que lors de la. Je pense que c'était pour Buisson, où il avait donné plus de 600 clés. Et il avait répertorié qu'il n'y avait même pas 20 clés qui avaient servi en réalité. Donc il avait donné 600 clés à des créateurs de contenu et même pas 20 clés avaient servi. Donc voilà, c'est très 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 compliqué. No Rest for the Wicked, ouais, qui sort cette semaine sur PC en accès anticipé aussi. Cette semaine ? Ouais, 18 avril je crois. J'ai le 18 en tête. Oh, trop de bons jeux. Ah là 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 là. Et j'ai vu passer donc Aragami. On me demandait si c'était bien Aragami. Aragami, c'est très chouette. Le 1. Le 2, je sais pas, j'y ai pas joué. Tout le monde dit que c'est pourri. Donc du coup, j'y ai pas joué. Ouais, ce que j'ai entendu aussi, ouais. Mark of the Ninja, c'est en 2D à Cred. Ce qui change vraiment la donne, pour le coup. J'ai pas trop aimé Mark of the Ninja. Je suis pas un... J'ai beaucoup moins aimé. Ce côté, on n'a pas ce côté on attend dans l'ombre. Moi j'aime bien le côté un peu patience de l'infiltration où tu dis ok, j'attends qu'il ait fini son tour de garde, là c'est le bon moment, j'y vais, ensuite je passe au suivant et tu te fais dans ta tête comme ça ton plan en disant je bute lui et hop je suis au bout. Et ça c'est quelque chose que j'ai moins retrouvé dans Mark of the Ninja. Voilà, ça c'était donc Ereban. Ereban, eh bien moi je vais parler sur je vais passer sur Switch. Même si sur le trailer va sans doute démarrer par un logo PlayStation parce que voilà, c'était le seul qui était en 1080p, je suis désolé. Il s'agit de Eidolon Chronicles Rising, j'en ai parlé dans l'actu puisqu'il est actuellement gratuit. C'est l'offre jeu à l'essai sur le Nintendo Switch Online, accessible gratuitement jusqu'à jeudi 23h59. Et donc j'ai passé 4-5 heures dessus, je suis encore loin de l'avoir fini je pense. Je m'attendais pas au jeu du siècle, hein, et c'est pas le jeu du siècle. Le problème, alors c'est un jeu qui est super beau, mais vraiment il est beau. Il est vraiment beau. Ah si, si, si. Les décors. Oui pardon, excusez-moi, les décors ils déchirent. Les décors déchirent. Surtout quand on est dans le village, il y a beaucoup de profondeur. Et ça doit être le trailer PlayStation. Je peux vous assurer qu'il est très beau, même sur Switch, et à peu près fluide. Ça va. Par contre, c'est à peu près tout. Je suis désolé, je sais que vous allez pas être d'accord parce que j'ai vu pas mal de messages dans le chat. Ouais, il est cool, il est bien. Il est, dans sa conception, il est simpliste mais à l'extrême. J'entends par là qu'on dirige une jeune fille qui va arriver dans un village, c'est une aventurière, et bon gré mal gré va se trouver embrigadée à résoudre tous les problèmes des villageois pour avoir des tampons sur son carnet. Ça lui fait plaisir d'avoir des tampons sur son carnet. Et on va nous envoyer par exemple dans la forêt d'à côté pour réaliser la première mission. Tu réalises ta mission, tu rentres au village, hop, un coup de tampon. Ah, mais va voir un tel aussi, il faut qu'il aille, il a besoin de trucs. Tu vas voir un tel, il va dire, ah, retourne dans la forêt, j'ai besoin d'autre chose. Ah, encore la forêt ? Ok, encore la forêt. Tu vas voir le troisième, retourne dans la forêt, tu vas voir. J'ai fait 15 missions, j'ai vu deux environnements. Forêt, caverne. Alors, c'est vrai que petit à petit, la forêt va ouvrir de nouvelles zones, la caverne va ouvrir de nouvelles zones. Mais c'est quand même extrêmement redondant dans les zones qu'on parcourt. On revient sans cesse et sans cesse et sans cesse dans les mêmes environnements. Donc ça, c'est pas terrible, terrible. Ce qui est pas fun non plus, c'est en termes de gameplay combat, c'est tellement simpliste. C'est au-delà du simpliste, quoi. Alors, il y a des bonnes idées parce qu'en fonction des armes que tu vas acheter, tu vas débloquer des attaques différentes. En fonction de l'armure que tu portes, tu vas pouvoir débloquer des mouvements différents. Plutôt original, je trouve, comme approche. Genre un double saut qui est lié à une armure. Tu vas avoir jusqu'à 3 personnages et tu pourras switcher entre les personnages. Mais même, je trouve que le switch n'est pas très fluide. C'est un peu long entre deux personnages. C'est pas un truc très, très nerveux. Chaque personnage, évidemment, agit relativement différent. Enfin, agit de façon différemment. Mais, franchement, le gameplay combat, voilà quoi. Mais... je reconnais un truc, c'est archi basique, on refait les mêmes endroits, le gameplay combat est pauvre, mais c'est assez addictif. T'as quand même envie d'y retourner,
parce que les personnages sont agréables. Tu sens que tu découvres une partie du casting du futur Yuden Chronicles Android Heroes, et pas uniquement les trois personnages principaux, il y en a d'autres qui gravitent autour qu'on retrouvera dans Android Heroes. Les dialogues français sont excellents. Alors la traduction française, je pense qu'ils se sont fait plaisir parce qu'il y a beaucoup de trucs qui ont été très 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 localisés, et ça doit certainement pas dire la même chose en japonais, mais c'est pas grave. La traduction française est vraiment excellente. Tiens, question par rapport à ça, parce que donc je voyais passer dans le chat que ce jeu, c'est un palier Kickstarter du Kickstarter de Eiyuden Chronicles, enfin de 100 Heroes. Est-ce qu'on aura la même localisation pour le vrai jeu? Bah, Eiyuden Chronicles est traduit en français intégralement. Est-ce que c'est les mêmes traducteurs? Je sais pas. Tu sais, là, je suis en ce moment un peu sur le stade du je sais pas. Comment dire? La semaine dernière, dans le chat, je me rappelle pendant l'émission, et peut-être que tu l'avais vu passer, à un moment dans le chat, il y avait une question, on parlait du futur triple initiative qui avait lieu le lendemain, mm-hmm. Et quelqu'un qui a dit « Oh, il y a une rumeur sur un roguelite Prince of Persia ». Et moi, je connaissais la réponse, puisque j'avais fait la preview qui était dans un carton, et donc j'ai gaiement ignoré la réponse. Et donc là, Toon, je vais gaiement ignorer ta question. Si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Wink, okay. Wink. Wink. Donc voilà. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que oui, il est traduit en français. Voilà. Je sais pas à quel point j'ai le droit de dire ou pas que voilà. Ouais, ça marche. On a compris. Tales of Kenzera qui sort aussi ce mois-ci, oui, 26 avril, 23 avril. Semaine prochaine, vous oubliez votre vie personnelle, privée, professionnelle. Semaine prochaine, vous louez une grotte. vous prenez votre Switch parce que ça ira aussi. Et puis, vous ne parlez plus à personne. À personne, voilà. Donc voilà pour Rising qui voilà. Ouais, c'est mouif quoi. C'est ouais, très mouif. C'est vraiment mouif, mais il y a quand même un petit truc addictif. Mais tu sais, c'est le truc addictif facile quoi. Ouais, j'ai une question quand même. Est-ce que tu vas le finir? Non. Voilà. Je crois que la durée de vie est assez conséquente. J'y ai cru lire 12-15 heures. J'y ai joué un peu plus de 4 heures là sur la version gratuite. Je sais que je n'y jouerai pas jusqu'à jeudi soir pour des raisons qui me sont propres. wink wink. Et même à 4€ et quelques, j'ai pas forcément envie de le racheter. Non. Ouais. Non. Voilà. Ouais. Ok. Ouais, parce que jouer après 5 balles, pourquoi pas. Ouais, mais bon, moi, il faudrait me payer pour jouer. Oui, à ça. Voilà. Après, c'est toujours une question de temps. Si j'avais un temps illimité, oui, je le ferais. Je le ferais. Parce que ouais. Voilà. Par contre, wink wink, c'est vraiment une intro à Yuden Chronicles Android Heroes. Il y a plein de concepts qui sont dans ce jeu que vous retrouverez. J'ai dû lire des trucs dans le communiqué de presse d'Android Heroes qui parlent à peu près de la même chose. Voilà. Ah, Toon est très très figé par contre. Toon est méga figé. Toon est tellement figé. Moi, je suis pas figé. Hein. Attendez, je me remets en direct. Non, moi ça va, mais Toon ça va pas du tout. La surprise, sans doute, ouais, tout à fait. Ah, puis alors là, maintenant il est figé, mais en 8. Toon se transforme en robot. Toon fait le robot, oui, mais malheureusement, vite, un screen de Toon. Oui, je pense que le screen vaut le coup là. Je crois qu'on l'a perdu. Écoutez, pendant que Toon se recharge, hein, je pense qu'il faut qu'il recharge ses batteries, nous allons peut-être passer à mon deuxième à quoi qu'on joue finalement. Écoutez, on va le faire comme ça. Il revient quand il veut. Regardez, je vais me dédoubler et je change jamais d'habit d'ailleurs, soit dit en passant. Ah, si Toon y revient. Ah bah c'est bon. He's back. Voilà. He's back. Bah écoute. C'est pas ce qui s'est passé. C'est comme ça. On va dire que c'est de la faute à Discord. C'est la faute à Discord, sans doute. Ça arrive, des fois. Oui, parce que j'ai testé ma connexion, elle est parfaite. Donc,
On va dire que c'est la faute à Discord. Mais là, il y a une petite faiblesse. Mais c'est vrai que je... Alors, ça peut être même de ma faute, hein, parce que rappelle-toi qu'on avait Samagaga, où moi, j'ai retransmis sa vidéo catastrophique pendant tout le live, hein, alors que toi, tu la recevais très bien. Donc, c'est peut-être de ma faute. Mon PC qui est en train de mourir, hein, qui part en orbite depuis tout à l'heure, peut-être il s'est dit, non, j'en ai marre de cette fenêtre. Ah si, j'ai du sang. Bah écoute, j'ai décidé de continuer avec Rogue, Prince of Persia. Yes. Yes. Donc j'ai repris la balle. Donc Rogue, Prince of Persia, donc je vais pas vous dire grand chose de plus que la preview qui est disponible sur la chaîne depuis jeudi dernier. Preview qui a été réalisée sur PC. Il y a d'ailleurs une communication un peu bizarre autour de ce titre, mais alors là, moi je m'en fous parce qu'il n'y a pas d'embargo là-dessus, donc je peux le dire sans aucun problème. La communication officielle ne parle que d'une sortie PC pour le moment. Évidemment en mai, bah, je crois que c'était peut-être là, 14 mai, non ? Enfin, incessamment ouais, sous peu. Je sais plus. Bah, je crois que 21, j'ai 21. Lu, ou 21, je sais plus, je confonds avec un autre jeu. Donc là, il arrive où il est arrivé en accès anticipé sur Steam. La communication va pas au-delà, mais moi, je peux vous dire qu'il sortira sur Switch en 2025, ou sinon, on m'a menti. Et ça, c'est pas bien de me mentir. Mais voilà. Donc non, il est bien prévu sur Switch, et de toute façon, on le voit au visuel que... Alors, je vais pas dire que c'est un jeu qui est fait pour passer sur Switch, mais... on comprend qu'il n'y a pas de souci, ça passera sur Switch. Qu'est-ce que c'est Rogue of Prince of Persia ? Comme son nom l'indique, c'est un Rogue Light dans l'univers Prince of Persia avec un prince qui est rose, mais c'est pas grave, il est rose, vous allez faire avec, même si ça peut faire bizarre au début en termes de direction artistique. C'est fait par Evil Empire qui est indirectement... les créateurs de Dead Cells, on va pas refaire toute l'histoire, mais Dead Cells s'est créé par Motion Twin, et ensuite ils ont scindé leur équipe en deux, ils ont créé Evil Empire pour assurer le suivi de Dead Cells, donc c'est sensiblement les mêmes. On retrouve du Dead Cells là-dedans, on retrouve beaucoup de Dead Cells là-dedans, c'est-à-dire que je serais curieux sur le timing entre les coups, pour voir si on n'est pas exactement sur la même rythmique d'attaque, et de mouvement aussi sur la vitesse de déplacement que Dead Cells. J'ai vraiment l'impression que... Ah ouais, ça va être dur sur de se prononcer sur comment dire, les attaques, parce qu'il y a 36 000 armes différentes dans Dead Cells. Oui, tout à fait. C'est vrai, quand je pensais au timing des coups, c'est plutôt la vitesse globale de déplacement du personnage. Là aussi, il y a beaucoup d'armes. Il reprend ce système de Dead Cells. Là, vous voyez par exemple une double dague, il y a une hache, il y a une épée. Il y avait un truc un peu backstab, une dab, mais on a attaqué les ennemis par le dos, qui faisait des gros dégâts d'ailleurs. Donc ça, c'est l'arme principale, qui est, de ce que j'ai vu, toujours au corps à corps. Il y a une arme secondaire, là c'est l'arc. Qu'est-ce que j'ai vu en plus de l'arc ? Je ne sais plus, mais voilà. Arme secondaire qui a une petite jauge de mana à côté, vous la voyez à côté de l'arme secondaire. Donc elle est à usage limité, on ne peut pas s'amuser tout le temps à s'en servir. Mais c'est comme Dead Cells. Et surtout aussi, il y a des reliques. J'ai trouvé ça très con parce que j'ai trouvé le système de reliques très intéressant et malheureusement, j'ai pas pu l'illustrer dans la preview parce que dans l'extrait de capture qu'on m'a donné... S'il n'y était pas. Mais voilà, vous pouvez équiper jusqu'à 4 reliques qui auront non seulement des boosts et des compétences à donner à notre personnage, mais les reliques vont se booster entre elles. C'est assez original. C'est-à-dire qu'il y a vraiment 4 slots pour les reliques. Et quand vous placez une relique sur un slot, vous savez qu'elle va booster par exemple les deux qui sont à côté. Donc ça peut être très intéressant de placer correctement ces reliques. On peut des fois avoir des reliques boostées, boostées deux fois, trois fois en fonction d'où elles sont placées. Et ça devient très puissant. Moi, j'ai évidemment, sur les synergies, j'ai quasiment rien vu. Donc, je vais vous parler de la seule synergie que j'ai faite et dont j'étais très fier. Relique qui donne du poison à tous les ennemis à qui on donne un coup de pied dessus. Et une arme qui a des dégâts boostés sur les poisons. Ouh ! Sur les ennemis empoisonnés. Très fier de moi sur ce coup-là. Mais voilà, ça m'a quand même énormément simplifié ma seconde run. Je trouve aujourd'hui qu'il y a peut-être un petit problème d'équilibrage. Je suis vraiment pas bon, moi, sur ce genre de jeu en temps normal. Et là, les niveaux étaient faciles, mais vraiment faciles. Par contre, le boss, il piquait, mais que le boss pique, ça, c'était pas du tout gênant. C'est même normal. Il piquait comme il fallait, je trouve. Mais les niveaux étaient vraiment débilement faciles. Hein. Débilement faciles. Alors, j'ai peut-être des restes de Dead Cells. Mais aussi parce que notre bon prince est quand même hyper habile. Et on retrouve, je sais pas si ça a été dans le cahier des charges Ubi, parce que c'est édité par Ubisoft,
On retrouve un peu cette mobilité qu'on avait dans le Metroidvania Prince of Persia, qui n'a pourtant rien à voir, hein, tu me diras. Mais c'est vrai que le Metroidvania Prince of Persia, sa grande qualité, je trouve, c'était la nervosité du gameplay, la mobilité du personnage principal, Sargon, voilà, je ne retrouverai plus son nom. Là, c'est pareil, c'est hyper nerveux. Donc tout ça, c'est très positif. Et c'est plus qu'un Dead Cells, en réalité. Alors c'est moi, ça va être la grande question, c'est est-ce qu'on peut vraiment rajouter des concepts de gameplay à un Dead Cells qui est déjà assez complexe, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a toute la complexité d'un Dead Cells, que plus on va avancer, plus on va avoir des armes qui vont avoir 5 effets, qui vont se cumuler entre elles et tout, parce que j'ai vu qu'il y avait de la place, hein, donc je pense qu'il y a de quoi faire. Mais ils ont rajouté deux mouvements extrêmement importants, donc le coup de pied dont j'ai déjà parlé, qui permet de repousser les ennemis. Alors c'est essentiellement du contrôle de foule, mais c'est aussi, je l'avais illustré à 2-3 moments, c'est aussi très 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 utile pour pousser les ennemis dans les pics. Je vais pas l'avoir là. Il y a des dégâts de chute pour les adversaires, donc pour les pousser et les faire tomber de leur plateforme. Et surtout pour les pousser sur un autre ennemi, ce qui fait que si un ennemi tape sur un autre ennemi, ils vont s'assommer entre eux. Donc ça c'est très bien. Le coup de pied est très très souvent lié aussi à des dégâts dans le temps. Moi j'avais le poison, mais il y a aussi du feu. Donc ça peut permettre aussi, par exemple si tu tapes un ennemi qui est empoisonné, que tu fais toucher un autre ennemi, il va aussi être empoisonné. Donc tu peux propager du poison comme ça partout. Et c'est très utile, ce que j'appelle le contrôle des foules. Parce qu'on a rapidement beaucoup d'adversaires autour de soi. 3, 4, 5, 6, ça peut quand même être assez chargé. Et le coup de pied sert quand même sérieusement à temporiser un peu tout ça. Mais second gros mouvement extrêmement important, et c'est vraiment sur le combat de boss que c'est bien illustré, c'est le wall run. Et là, vous allez le voir. Alors là, il fait un dash. Il voilà. Dit wall run. Wall run. Ouais, je le fais bien là, tu vois. J'ai appris. J'ai toujours dit wall run. Je ne comprends pas. Voilà. Mais c'est partout. Hein. C'est-à-dire que ça sert, là, on le voit bien sur le combat de boss, ça sert sur le combat de boss. Parce que ça permet d'esquiver ses attaques où un simple saut ne serait pas suffisant. Mais ça sert aussi énormément dans l'exploration. Et d'ailleurs, et c'est ça qui est assez dingue, il y a énormément de moments dans le jeu, enfin énormément, dans Dead Cells, dans n'importe quel roguelite, il y a souvent des salles cachées. Et dans ces salles cachées, il y a un défi où il faut tuer plein de monstres, et quand vous avez tué tous les monstres, vous avez un bonus. Et bien là, bon, il y a des salles aussi, défis avec des monstres, mais il y a beaucoup de salles où c'est juste des défis d'agilité, où il faut, c'est exactement les mêmes défis qu'on avait dans le dernier Prince of Persia Metroidvania, où il faut rejoindre un point A à un point B en faisant du wall run, en esquivant des pics, en faisant des doubles sauts, parce que quand tu peux, dès que tu fais du wall run, tu peux faire un double saut, et en faisant des dashs aussi. J'ai pas parlé des dashs, mais évidemment, il y a les dashs qui vont bien t'aider. Donc, plutôt original, plutôt bien pensé. Et moi, je suis vraiment sorti de cette session avec une vraie volonté de vouloir refaire des runs. Ça peut parfois être mon problème sur les roguelites. Tu fais une run, deux runs et t'en as marre. Parce que je me suis fait poutrer, j'en ai marre. Là, j'avais vraiment envie d'en refaire une. Et un autre truc, j'avais oublié, c'est ça. J'avais bien illustré sur ma preview, j'avais fait exprès. Regardez, tac. En fait, c'est tout con. Mais quand on esquive un mob, alors pas quand on esquive, pardon, quand on fait, il n'y a pas de roulade, c'est un dash. Mais quand on fait un dash qui correspond à la roulade, dans Dead Cells, vous faites votre roulade. Mais là, dans ce jeu, vous allez passer à travers le mob et automatiquement le prince se retourne. Je le remets comme ça, vous allez comprendre. C'est pas moi qui fais retourner le prince. Il se retourne automatiquement pour se remettre face à l'action. C'est un gain de frame, c'est un gain d'efficacité. C'est tout con, mais ça rajoute énormément à la nervosité globale du jeu. Le dash, et immédiatement, on est déjà replacé correctement vis-à-vis de l'adversaire. On est dans le bon sens. Donc cool. Je prends un petit peu vos messages du chat parce que je me rends compte que j'ai fait mon petit monologue. Mais en tout cas, ouais, cool. Difficulté, c'est comme Dead Cells, ça monte en exponentiel, oui. Mais j'ai souvenir que Dead Cells pique un peu plus au début, néanmoins. Alors attention, c'est à ça que sert l'accès anticipé d'un roguelite. Oui, l'équilibre. C'est justement à équilibrer. Ouais. Ça va falloir voir plus tard pour l'équilibrage, je pense. C'est ça. Ça risque d'être perturbant de se faire auto-replacer. Alors ça surprend la première fois, mais alors on s'y fait en 2 secondes. Et on se dit, mais mince, pourquoi il n'y a pas d'autre roguelike qui a déjà fait ça avant? Parce que c'est tellement bien. C'est tellement bien d'être auto-replacé. Moi, j'ai adoré. Dead Cells avec ce genre de défi avec les failles. Oui. Donc voilà, oui, la DEA peut faire débat. Ça, oui. Moi, j'aime beaucoup.
j'ai j'aime appris à l'aimer. Il ressemble. En fait, non, mais déjà pour un truc tout con, bon, j'aime beaucoup les décors et tout. Oui. Les personnages, c'est... il y aura plus de débats, je pense, sur les personnages. Mais par contre, il ressemble à aucun autre jeu. Oui. Ah oui. Et ça, c'est génial, en fait, d'avoir un jeu qui ne ressemble à aucun autre. Donc, pour moi, c'est une grosse force. Je suis entièrement d'accord. Ça... Non, c'est plutôt beau. Les décors sont vraiment sublimes. Il faut s'habituer au design du prince et des monstres qui est un peu sommaire. Je trouve ça manque parfois de détails. Mais oui, moi, plus je le vois, plus je le trouve beau, en fait. J'ai eu vraiment un effet repoussoir au début. Je fais... Surtout que, bon, moi, au début, quand j'ai commencé à jouer, on me fait « Ah, tu vas jouer un roguelite Prince of Persia créé par Evil Empire. » Alors là, j'ai Dead Cells en tête. Ah, je vois le pixel art. Et puis, tu démarres avec ça et t'es « Ah, mon pixel art, il est parti où ?» Donc oui, j'ai eu un effet repoussoir au début, mais voilà, c'est parce que j'attendais autre chose. Mais au final, on s'y habitue, en fait. Et quand on s'y habitue, c'est vraiment joli. Ouais. J'ai vu parler de Scale qui nous dit qu'il joue à Returnal, qui est une tuerie. Oui, c'est une tuerie. T'as toujours pas joué à Returnal. Je t'en veux. Et c'est dommage qu'il n'ait pas marché. Mais si, il a marché, Returnal. Je pense que si. Pour le genre, on doit pas être loin du roguelite le plus vendu. Alors Dead Cells avec ses 10 millions est forcément devant. Hades qui doit aussi être à 10 millions, je pense qu'il est devant. Mais je pense qu'il a quand même bien marché. Ouais. Ouais. Sony l'a beaucoup poussé. Non, Returnal, il est pas dur, Returnal. Ah non, moi je te le dis, hein. Si t'as fait des roguelites, il fait partie de ceux qui sont totalement accessibles. Écoutez, il a ses moments de difficulté, mais bon. Il paraît qu'un certain Julien C, a dit qu'il était beaucoup trop dur et très très injuste. Attention, il a été rééquilibré depuis. D'accord. Eh bon. Oui. Ah, ça peut aider. Oui. Ça. Aider. Retourner aller sur Switch, pas du tout et vraiment non. Pas puisque c'est un jeu PlayStation Studio, donc là c'est PlayStation. C'est ça. Et PC. PC. Je sais pas si ils l'ont mis Oui, je crois qu'ils l'ont mis sur PC. Ils l'ont sorti sur PC, ouais. Il me semble. Ils auront intérêt en tout cas. PC aussi, merci Rorin. Oui. Ok. Bah écoute, est-ce qu'on passerait sur ton deuxième jeu? Mon coup de cœur. Tu veux dire ton coup de cœur carrément? Ah ouais, ah oui, oui. Et en plus, je l'ai vu venir celui-là. Je vais vous parler de Botany Manor, dont je vous avais parlé la semaine dernière. Je vous avais dit que j'y jouerais, j'y ai joué, et c'est mais pas sur Switch, parce qu'il était dans le Game Pass, tout simplement. J'ai une bonne excuse. Donc je ne sais pas comment il tourne sur Switch. Je sais juste que Payo y a joué sur Switch et il m'a rien dit de mal sur la technique, donc c'est que ça doit tourner au moins pas trop mal. Botany Manor, c'est quoi? C'est un très joli jeu, ça vous le voyez tout de suite. On n'est pas loin de l'escape game en fait. C'est vraiment un jeu d'énigmes, un jeu de puzzle, où on va avoir des chapitres qui vont nous demander de faire pousser des fleurs. Sauf que ces fleurs, on ne les fait pas pousser comme n'importe quelle autre fleur. Il y a des gimmicks, en fait. Il y a une fleur, elle pousse que par temps d'orage. Donc, il va falloir il va falloir faire un flash d'appareil photo pour simuler un éclair qui va lui permettre de pousser. Et il y a plein de petits trucs comme ça. On est vraiment dans des zones assez, assez ouvertes dans lesquelles il va falloir récolter beaucoup d'informations. Trier ces informations parce qu'on a plusieurs fleurs à faire pousser en même temps, donc on doit trier ces informations, se dire ok, ça parle de telle fleur, il me faut ci, il me faut ça pour la faire pousser. Voilà, ça fait très escape game, hein, dans la résolution des enquêtes. Et en plus de ça, il y a quelques énigmes environnementales qui sont très très chouettes. Je pense à un moment notamment où on se retrouve au sommet d'un escalier qui est, donc on voit une salle en contrebas qui est inaccessible, on voit qu'il y a des murs partout, on devine une porte cachée, une porte secrète dans un des murs, donc on sait qu'on va devoir passer par là, mais le jeu ne nous dit rien en fait, il nous dit « Ah, je me demande s'il n'y a pas un moyen d'accéder en bas », mais c'est tout. Et c'est à nous de trouver l'autre entrée, de savoir comment l'ouvrir, tout ça, via des petits indices qui sont disséminés dans tout le niveau. Donc c'est vraiment, le jeu te prend pas par la main. Les énigmes sont parfois assez retorses, et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. Donc ouais, gros coup de cœur sur Botany Manor. Tout est bien, la musique elle est bien, visuellement c'est trop beau, les énigmes sont bien, et en plus le jeu se paye le luxe d'avoir un message, parce que ça se passe en 1000...
890, je crois. Et ça vient parler de la place de la femme dans la société de l'époque, qui n'est, voilà, en gros, la femme donc, qu'on incarne est botaniste. Elle souhaite intégrer des programmes, je crois, scolaires au début de botaniste, faire partie de congrès de botanique. Et en fait, on lui dit, mais voyons, madame, c'est pas un jeu, la botanique. Retournez faire la vaisselle. Et voilà. Donc, et les enfants, et enfin. Tu sais, ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, il y a un message comme ça en disant, ah oui, le professeur machin serait ravi de vous avoir. Vous lui seriez très utile avec vos compétences en... je sais plus comment c'est, ces compétences ménagères, je crois, un truc comme ça. En changeage de couche. Bah oui. Bon, bref. Ouais. Donc... Ah non, mais c'est malin. Donc voilà, gros coup de cœur. Malin. C'est malin parce que c'est vrai que ça rapporte un petit peu de narration. Fini rapido. Ah oui, je ne l'ai pas dit. 3 heures. Ouais. 3-4 heures. 3-4 heures. Après, en Game Pass, évidemment, c'est très tentant. Le Game Pass est vraiment fait pour ça. Ouais. 20 balles sur Switch, 25, je crois. Même non, je crois qu'il tapait bien sur Switch. T'avais dit. Je crois qu'il est à 25. Ouais. Il me semble qu'il est à 25 euros, ouais. Ouais. Donc, ouais. Ça fait cher pour les 3-4 heures. Ça, c'est clair. Ok. Théo Blaze, vous pensez quoi d'Apex sur Switch? Alors, aussi improbable que ça puisse paraître, il y a une vidéo sur la chaîne d'Apex où, mais en non. plus, je fais top 1. Et je ne blague pas. Waouh, c'est la chance du débutant. Tout à fait, en jouant comme une daube. Mais voilà. Non, mais évidemment, au minimum, manette pro pour des jeux comme ça. Non, bah merci beaucoup donc, pour la grosse recommandation de la semaine qui est donc Botany Manor. Je pense que là, on est quand même sur quelque chose de très, très, très sympa et très joli. Oh bah, ce sera un décroté. Ça sera un décroté. Ah, c'est une promesse. Un décroté dans 2 semaines à peu près, même pas. Ouais, si, 2 petites semaines. Même pas. Ouais, 2 toutes petites semaines. Ouais, c'est ça. C'est pas samedi là, c'est le suivant, si tout va bien. C'est ça. Voilà. Écoutez, on va pouvoir passer directement à la dernière partie de l'émission. Le petit moyen, focus sur le triple I où on a quand même, surtout Tuna, plus que moi, ressorti, on va dire, les jeux les plus intéressants. A tout de suite. Alors, j'ai une vidéo qui part, c'est pas grave, ça dégage. Le Triple Initiative. Je voudrais juste faire une micro-introduction sur le Triple Initiative parce que ça vaut quand même le coup d'en parler un petit peu et expliquer pourquoi il y a peut-être eu quelques déçus de cette conférence après. D'ailleurs, plus globalement, on va peut-être attaquer globalement. Tu me diras après ce que tu en as pensé, si tu étais satisfait ou déçu. Triple Initiative, à la base, c'est un show qui est censé mettre en avant les jeux indés, mais les jeux indés friqués. Voilà. Comme le nom l'indique, hein, le triple I n'est pas là par hasard, c'est par comparaison au triple A. Donc voilà. Et chose un petit peu plus originale, c'est pas un conglomérat d'éditeurs, enfin de développeurs indépendants qui ont créé ça. C'est Evil Empire, voilà, j'allais dire, je n'entrerai plus le nom. C'est Evil Empire qui est à l'origine de cette conférence. On va l'appeler ça comme ça. Et c'est Evil Empire qui a fait un petit peu le tour de tous leurs copains pour voir est-ce que tu n'aurais pas un petit jeu à présenter pour ma conférence. Donc, comme le disait, je pense que c'était à Silence on joue, si je dis pas de bêtises, ils se sont quand même bien fait chier pour être le one more thing de leur propre conférence. Puisque le Prince of Persia Peach, Prince of Persia Rogue était le one more thing. Mais quand même. Alors, ça a un petit peu râlé parce qu'on parle de jeu indé créé par Evil Empire, qui a mis en avant un jeu édité par Ubisoft, qui n'est pas du tout indé. Voilà. Bon, mais Evil Empire reste un développeur indépendant, qui n'est pas du tout lié à Ubisoft, hein, d'ailleurs. Hein, ils sont totalement indépendants, donc ça déjà, ça critique un petit peu. Ouais. Et ce qui était critiquable, et ça tu me diras ce que tu en pensais, c'est que justement, on se rend compte, moi de ce que j'ai vu aussi de la conférence, c'est qu'on est vraiment sur des triple I. Et donc c'est peut-être des jeux qui sortent un petit peu de l'esprit indépendant, où c'est peut-être un peu plus lissé que d'habitude, un peu plus de choses qu'on attend du jeu indépendant, un peu moins de surprises, un peu plus justement des jeux qui vont pas prendre de risques parce que, comme il y a des gros budgets derrière, faut que ça se vende. Est-ce que, ouais, d'un point de vue global... Tu vois, alors,
et malheureusement, j'ai plus le nom en tête, et je suis sûr que tu vas t'en rappeler. À chaque Summer Game Fest, il y a une conférence gros jeu indé aussi. Et j'ai oublié le nom. Mais ils en présentent. J'ai oublié le nom. Ah, il y en a plusieurs. Ouais, mais il y en a vraiment une qui fait que du gros jeu indé. Ils en présentent 10 à tout casser. Il n'y en a pas beaucoup de présentateurs. TBK ? Le TBK Festival, ouais. TBK, ouais. Tribeca. Merci. Bah, j'étais pas. Et autant, à chaque fois, je ressors du Tribeca enthousiasmé, parce que je vois beaucoup de jeux très différents, assez novateurs, même s'il y a du gros budget derrière. Et là, moi, oui, c'est vrai que je suis sorti du triple I, et c'est pour ça que je trouve que c'était très intéressant de faire cette sélection, où j'étais moyennement hypé, voilà, pour dire les choses simplement. Beaucoup de genres similaires, beaucoup de roguelites. Beaucoup de deux. De suites, de ce genre de choses, en fait. Beaucoup de suites, et c'est pour ça que je disais, pas de prise de risque. Des suites, des DLC, très très étonnant de voir tous ces passages sur des DLC sur du jeu indé qui devrait pas trop mettre du DLC en avant parce que c'est pas trop l'esprit indé, le DLC. Donc voilà. Et la conférence des accès anticipés pour 2025, bon ça encore à la limite, on n'est pas surpris sur une conférence d'avoir des annonces de jeux qui sortent dans un an, deux ans, trois ans. En fait c'est ça qu'il faut voir, quand, parce que ça je me le suis dit après, parce que moi j'ai eu cette impression... qu'il y avait beaucoup d'accès anticipés. Finalement, en faisant le listing, il n'y en avait pas tant que ça. Mais beaucoup d'annonces de jeux qui vont sortir en accès anticipé, ou alors qui continuent leur accès anticipé, on leur met juste des mises à jour. Mais ce qu'il faut se dire, voilà, c'est que c'est des annonces à long terme, et que l'accès anticipé, il va être là, déjà que pour qu'eux, ils puissent se financer, hein, c'est le but principal. Et nous, peut-être, pouvoir y mettre un pied, pour voir si, effectivement, c'est notre truc ou pas, quoi. Avec... peut-être un détournement, tu me dis ce que t'en penses, hein, de l'idée de l'accès anticipé, parce que comme tu l'as très bien dit sur Prince of Persia, Roguelite, l'accès anticipé va servir d'équilibrage et c'est évidemment nécessaire, mais est-ce que là on a quand même pas une pelletée d'accès anticipé, comme tu dis, pour faire du financement? Parce que est-ce qu'il y a vraiment un besoin de faire de l'équilibrage? Alors moi je parle d'un jeu qui n'était pas du tout dans le triple I, hein, je parle d'Ender Magnolia, où tu sens qu'ils l'ont mis en accès anticipé parce que le jeu n'est pas fini, qu'ils ont besoin d'argent. Mais franchement, un équilibrage dans un Metroidvania, en plus ils en ont fait un juste avant, donc ils savent faire quoi. Est-ce qu'il y avait besoin de le mettre en accès anticipé? Non, mais c'est une très bonne façon, voilà, d'avoir un peu de financement pour continuer à développer son jeu. En fait, le problème, c'est que dans accès anticipé, tu peux mettre beaucoup de choses. Tu peux mettre juste de l'équilibrage, ce qui est généralement ce qui est fait pour les roguelites, c'est comme ça qu'a fonctionné... Slay the Spire, Hades aussi évidemment, mais Slay the Spire, c'est vraiment le chef de file du truc, parce que sans ils le disent tout le temps, les développeurs, sans la communauté, le jeu ne serait pas ce qu'il est. Et t'as d'autres jeux qui vont juste te mettre une démo presque et te dire on va venir imbriquer des choses dessus. Je pense à un autre Glide pourtant, celui de Pastek Games Il était dedans, mais bon bref, celui-là, il est sorti avec assez peu de contenu, et ils sont venus en rajouter au fur et à mesure. Et là, pourtant, il y a un sacré éditeur derrière. Mais bon, le problème, c'est que quand tu prends un jeu en accès anticipé, tu ne sais pas que tu vas avoir. Est-ce que tu vas avoir une démo où on va venir rajouter des briques? Est-ce que tu vas avoir un jeu complet qui manque peut-être juste d'équilibrage et qui attend sur toi que tu fasses un peu de taf? Tu sais pas. Tout à fait ça, ouais. Bon, on a Toon A, je dis on, mais Toon A. on va vous présenter notre sélection, la sélection de Toon essentiellement, en trois parties. Première partie qui va aller très vite, on va se focaliser sur les DLC, histoire de les mettre un petit peu de côté, ça y aura pas grand chose à dire. Deuxième partie, les jeux qui sont prévus sur Switch, il n'y en a pas beaucoup, on l'a dit, mais il y a quand même des jeux prévus sur Switch qui ont été annoncés et présentés lors de cette conférence. Et la troisième partie qui sera quand même la plus solide, qui concerne pas de DLC, donc pas de jeux Switch, mais quand même des jeux qu'il faut quand même sérieusement suivre. Voilà. Ouais. Je tiens juste à préciser que donc j'ai fait un peu plus de recherche sur les jeux en question, sur ce que vont apporter soit les updates, soit quoi. Parce que ça allait très très vite, cette triple initiative. C'était fini, j'ai pas vu le temps passer, donc c'est plutôt bon signe. Et j'avoue qu'il y a la moitié des infos que j'ai pas retenues. Donc là, voilà, j'ai pris du recul, j'ai pris le temps de noter des choses, d'aller voir les pages Steam, etc. pour vous sortir plus d'infos. C'est ça le but. Et voilà. Et oui, et les DLC dont on va parler, ce sont que des DLC de jeux qui sont déjà sur Switch. Oui. Parce que, mine de rien, ici, on est chez Sully, on parle Switch.
C'est important. ça glisse de plus en plus en Switch, mais quand même, on tient le bastion. Ouais. Tu veux commencer par lequel? Bah, si tu as le même conducteur que moi, on va faire dans l'ordre, si ça te va. Je n'ai pas le conducteur. Ça marche. Donc, Risk of Rain 2. Yes. On va commencer par... Donc voilà, Risk of Rain 2, donc c'est un jeu qui existe sur Switch. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un roguelite. Vous allez entendre ce mot énormément ce soir. Ouais. Par contre, c'est un roguelite assez unique en son genre. On est vraiment sur de la 3D déjà, ce qui est assez rare. Et on a un principe presque d'arène, en fait. C'est des grandes zones ouvertes, mais dans lesquelles, voilà, on va avoir des vagues de monstres qui vont arriver à intervalles réguliers, qui vont devenir de plus en plus difficiles. En fait, c'est un peu la formule de Risk of Rain 1, mais portée en 3D. Et il y a un peu ce sentiment d'infinité qui, moi, personnellement, ne m'a pas plu du tout hein, dans Risk of Rain 2. Mais c'est un jeu qui marche très bien. Et on a donc, coming soon, donc on ne sait pas quand, un DLC qui arrive avec... une nouvelle map, avec de nouveaux artefacts, donc là c'est des trucs qui viennent changer notre façon de jouer, et un nouveau skin, parce que c'est plutôt ça qu'il fallait mettre en avant, c'est celui du prisonnier. Je confirme sa lag sévère. Merde. Ouais, je ne nous excuse. Je vois pas mal de messages, oui ça lag un peu, oui ça lag. Est-ce que ça va revenir ou pas? Ça revient. Voilà, moi c'est reviendu. Okay. Je m'excuse, c'est ma petite boulette de départ. Voilà, voilà. Normalement ça doit revenir. Oui, bah ok, pour Risk of Rain 2, là on est vraiment dans la partie DLC. Rien on va pas s'attarder trop là-dessus. Souvent, de toute façon, DLC, on va toujours dire nouvelle map, nouveau personnage, nouveau. Alors j'ai pris. Alors c'est peut-être ça d'ailleurs qui fait laguer, je voulais pas ouvrir grand chose. Parce que j'ai ouvert une page Google de plus, oh mon dieu, enfin Chrome. Hérésie, ouais, d'ailleurs ça rame. Pour avoir le conducteur. Alors, je vais essayer d'alléger 2-3 trucs. Et donc je te lance immédiatement sur My Time at Sandrock. Our Time at Sandrock. Our Time. Parce que c'est ça le twist. C'est que donc là ça va aller très très vite. Cet été, on a un DLC pour le jeu de Life Sim qu'est My Time at Sandrock, et on va pouvoir jouer à plusieurs en cross-plateforme. C'est-à-dire que quelle que soit la plateforme sur laquelle vous jouez, vous pourrez jouer avec vos potes à My Time at Sandrock. C'est tout. Bah voilà. Vite, hein. J'essaye autant que possible d'alléger mes programmes. Je pense que je refermerai une ou deux pages internet. Je te lance maintenant sur Vampire Survivor. Alors, celui-là, il m'avait fait quand même beaucoup rire. Bah écoute, si tu veux, je démarre un petit peu et puis je te laisserai la main après. Vampire Survivor, bon bah ça, il a quasiment créé une sorte de genre à lui. Hein. C'est quand même devenu désormais hyper populaire. Et moi, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que donc là, on va avoir un DLC Contra, donc qui va reprendre les skins du jeu de Konami, du vieux jeu de Konami Contra. Et moi, ce qui me fait toujours ce sujet de Vampire Survivor, c'est qu'il n'y a toujours rien d'officiel avec Castlevania. Or, ils repompent intégralement les assets de Castlevania. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a Konami qui a dit bon. Ils nous ont bien eu sur Castlevania, on va essayer de gagner un peu de thunes en leur refilant contrat. Ça, c'est quelque chose qui me fait un peu rire. Mais bon, je pense qu'il y a eu un deal entre Castlevania et les créateurs de Vampire Survivor. Qu'est-ce que je voulais rajouter dessus à son sujet? Il est là. Ça va arriver le 9 mai. 11 nouveaux personnages, 22 nouvelles armes, 2 nouveaux biomes, nouvelle musique, 2,49€. Ça va. Et ça arrivera cet été, oui, parce que c'est un truc que j'ai découvert. Pour le moment, ça reste une exclusivité console sur Switch. Hein. Je crois pas qu'il est sur Xbox. J'ai un doute sur la Xbox. Ah, c'est une bonne question. Mais en tout cas, j'ai un doute sur Xbox, ça, tout d'un coup. Mais en tout cas, il est pas chez Sony, il est pas chez PlayStation. Il arrivera cet été sur PlayStation avec tous les DLC, dont le DLC, fameux DLC Contra, qui arrive le 9 mai. Ah, Xbox, ouais, c'est écrit. Donc Xbox, Switch, PC pour le moment. Ouais, donc il était juste pas sur PlayStation. C'est ça. Voilà, les pauvres. Oh. Non, plus de vrai. Ouais, bon, moi j'y joue sur smartphone. Enfin, j'y jouais sur smartphone. Ça y est, je me suis désintoxiqué. C'est bon, t'es sevré. Ouais. Yes, je vais enchaîner avec The Last Spell, enfin le DLC de The Last Spell. Pareil, très rapide. J'avais fait un let's play, je crois que c'était sur la chaîne secondaire de The Last Spell, il y a un petit moment maintenant.
C'est un roguelite, mais cette fois-ci tactical, avec un petit côté tower defense, parce qu'on a une toute petite escouade de héros, et on a des énormes vagues d'ennemis qui arrivent, donc il faut les buter en masse. C'est un jeu extrêmement touffu en termes de mécanique. Moi, c'est ce qui m'avait rebuté. Hein. J'ai fait une partie, j'ai fait non, plus jamais je touche à ça. C'est beaucoup, beaucoup de complexité. Donc les gens qui aiment ça adorent ce jeu, parce qu'il est vraiment très, très bien reçu à ce niveau-là. Une OST de folie. Et donc là, c'est un DLC qui vient ajouter une nouvelle map, une nouvelle mécanique, une nouvelle race jouable, les nains. Parce que le DLC s'appelle Dwarves of Runenberg, pardon. Des nouvelles armes et de nouveaux... Bon, bref, des nouveaux trucs, quoi. Plus de contenu. Le classique du DLC. Ouais. Et c'est ce qu'on attend. Et le dernier, le tout, tout dernier DLC, pareil, c'est un jeu que t'avais présenté, ça, je crois. Ou oui. Peut-être... oui, c'était toi, déjà. Je sais plus, c'était toi. C'était moi. C'est Brotato. Ouais, je suis pas très allé sur le point. Brotato, bah, on parlait de Vampire oui. Survivors, c'est l'un de ses héritiers. Tout à fait. Celui-là est très très fun. Il est très très efficace dans ce qu'il fait. Il manque un peu de variété dans l'environnement, mais par contre, en termes de structure, il est légèrement différent de Vampire Survivors, et c'est pas pour me déplaire. Et donc là, pareil, beaucoup de contenu qui arrive avec, très important, la possibilité de faire de la coop, ce que n'avait pas le jeu jusque-là. Mais voilà, grosso modo, je vais pas vous saouler avec les 20 plus nouvelles. Bref, il y a voilà. Plein de trucs en plus, c'est le même mais avec plus de trucs. C'est ça. Brotato, très bien. Pour moi, ça fait partie des très bons héritiers hein, de Vampire Survivor. Ok, non, ouais, ça c'est. Ben oui, il me donne envie celui-là, mais bon, tant pis. Ouais. On va passer seconde partie sur les jeux qui sont annoncés sur Switch. Ouh là 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 ouais, là là. Il y en avait trois. Il y en avait trois. Et en plus, je me rends compte que je t'en ai piqué un. oui, en plus, il y en a un qu'on va du coup passer sous silence complètement parce qu'on t'en a déjà parlé tout à l'heure. J'en ai parlé dans l'actu. Je me suis pas rendu compte qu'il était. J'avais pas compris qu'il avait été annoncé à ce moment-là. Mais c'est pas grave. C'est Chia. Ouais, hein, c'est voilà, Chia a été annoncé à ce moment-là, donc on va pas revenir dessus, voilà. Effectivement. Moi, je vais parler de Kill Knight. Yes. Et toi, après, comme ça, tu parleras ouais. De Cat Quest 3 parce que t'es un peu plus au courant. Kill Knight, c'est. Alors, moi, attention à vos yeux si vous êtes. mince, j'ai perdu. Épileptique. Si vous êtes épileptique, ne regardez pas. Vraiment, c'est un enfer ce trailer. Kill Knight, ce n'est pas un roguelite. Ça, c'est un truc qu'on ne savait pas au moment où on regardait. Ce n'est pas un roguelite. C'est un jeu arcade. Donc, qui dit arcade dit, je pense, très court, avec du scoring. Je pense que c'est ça le twist. On est sur un hack and slash, shooter. Voilà, il y a des hordes d'ennemis et il faut les désinguer à tour de bras. Ça gicle, il y a du sang qui gicle de partout. Ça a l'air hyper nerveux. À moins que ce soit juste le trailer qui donne cet effet, c'est pas impossible. Oh, c'est toi le let. Ouais, et on a donc 5 étages. 3 niveaux de difficulté, donc je pense qu'on sera sur un jeu très dense, très court, mais avec une forte rejouabilité. C'est ce que je vois se dessiner. En tout cas, moi, ça me plaît de ce que je vois. Par contre, si c'est vraiment du scoring, je saurais que c'est pas pour moi. Ah, ça risque de l'être, hein. Vu comment ça tourne. De toute façon, maintenant, ces jeux-là, c'est quoi scoring, loot. Si ça devient un Diablo-like, ça va être tourné sur le loot. Ça a pas l'air d'être le cas. Hein. Non. Donc, je pense que c'est le scoring. Je pense aussi, ils le disent, hein, donc bon. Bon. Et le troisième, hein, parce qu'en réalité avec Tia, ça fait 3, où il y a d'ailleurs 3 dans le titre. Il s'agit de Cat Quest 3. Alors, Cat Quest 3, y a pas, c'est pas une grande nouveauté, hein, le jeu avait déjà été annoncé sur Switch il y a quelques temps. Là, au moins, l'intérêt, c'est qu'on a obtenu rien de plus, j'allais dire une date de sortie, non. Non, on sait qu'il va sortir en 2024, c'est déjà pas mal, mais ça se limite à peu près à ça, donc en fait on a surtout eu un nouveau trailer que vous avez sous les yeux. Cat Quest, alors juste pour petit rappel, hein, troisième épisode, le second épisode était sorti en 2019, premier épisode avant, 2016, 2017, j'ai pas noté, c'est pas grave. À chaque fois c'est des jeux qui n'ont pas une excellente réception critique, hein, j'ai vu, c'est toujours un peu mouif, mais ça se vend bien, donc ils continuent. Et je serais tendance à dire qu'ils ont intérêt, hein, ils ont tout intérêt de continuer. RPG d'action, vous l'avez vu, en 2,5D,
plutôt très jolie. C'est vrai, quand même, ils ont quelque chose sur la direction artistique qui fonctionne et qui s'améliore d'épisode en épisode. Et pour la première fois de la série, oulalalala, on pourra naviguer sur les mers. Bon, c'est quand même un peu mieux parce qu'à la base, c'est un jeu où on dirige un pirate. Donc, c'est la première fois où on pourra aller sur mer et combattre à bord de notre propre navire. Voilà. Et effectivement, tout ça, vous l'avez vu à l'image, monde ouvert. À part des zones où vous rentrez dans des grottes, des trucs comme ça, mais sinon, monde ouvert. Ouais. Moi, j'ai fait un bout du 1. En fait, c'est un jeu qui est très simple dans ses mécaniques et du coup, qui est appréhendable facilement par des enfants, typiquement. Donc, je pense que c'est aussi à ça qu'il doit son succès. Ouais. Et faut pas oublier qu'il me semble que tous sont jouables en coop. En tout cas, celui-là le sera. Oui, j'ai trouvé d'ailleurs que c'était une nouvelle règle, la coop. Poussé encore plus par un jeu qu'on verra après qui commence par 33, mais j'ai l'impression qu'ils veulent foutre de la coop partout maintenant. Oui, ça marche bien. Tant mieux. Oui, voilà, tant mieux pour les autres. Oui, c'est ça. pas le premier. Ah bah pas le 1, Alban nous dit. Donc le 2 et le 3 sont jouables en coop. Et ouais, voilà, pour un action RPG, petit monde ouvert comme ça, assez fun. Avoir de la coop comme ça, j'avoue que c'est cool, parce que c'est-à-dire que tu peux jouer avec ton gamin, typiquement. Oui, tout à fait. Ouais, non, et puis c'est tout mignon. Oui, il y a plein de jeux de mots avec chat, vous prenez le communiqué de presse du jeu, il y a 28 jeux de mots avec chat à l'intérieur, je ne les ai pas notés. Eh ben, on a déjà fait les deux premières parties, mais on savait qu'on allait aller vite, parce qu'on avait dit qu'il n'y aurait pas beaucoup de choses annoncées sur Switch dans ce triple initiative. On va maintenant parler de tous les autres jeux. Là, il y en a quand même un peu plus, une dizaine, je crois, que tu as sélectionné. Qui nous ont vraiment fait de l'œil au milieu du paquet. Qui ne sont pas prévus sur Switch pour le moment. Bon, voilà. On verra dans le futur ce qui se passe. Et on va démarrer, je pense, le jeu qui t'a fait des youhoufoufoufou, des woulouloulou. Évidemment. C'est The Spire 2. Et évidemment. Oui. Et celui-là, je te laisse parler. Oula, pourquoi cette tronche-là, le trailer ? Ah, c'est un trailer très original en format panoramique, mais voilà. C'est un trailer panoramique. Panoramique ? Ouais. Il faut vraiment que je pense à vérifier, moi. C'est pas grave. Je suis désolé. Slay the Spire 2. Alors, il y a la page Steam qui est apparue en même temps que l'annonce, donc on en sait un petit peu plus. Si vous voulez la définition du jeu suite... Vous l'avez. C'est-à-dire qu'on a vraiment... C'est la même tour, mais dedans, ce seront de nouveaux héros, même si je pense que certains anciens seront encore là. De nouveaux ennemis. Le jeu bénéficie d'un nouveau moteur. Donc apparemment, ça permet plus de possibilités en termes de ce que peuvent faire les cartes par rapport à avant. Donc ça, c'est plutôt cool. Des nouveaux graphismes. Vous irez voir les images. Hein. C'est... Moi, j'ai pas été bluffé. Hein. Bah, ils ont gardé la même. Alors c'est ça qui est un peu dommage, c'est-à-dire que le trailer, il y a que ce trailer qui existe, qui ne montre pas du tout le jeu. Si vous voulez voir des images, faut aller sur Steam, parce que c'est vrai que sur Steam il y a des images. C'est le 1 quoi. Hein. Alors c'est vrai que moi déjà le 1, je suis un petit peu mou. La DA, je suis pas fan, donc je ne suis toujours pas plus fan de la DA du 2. Personne n'est fan de la DA. De toute façon, il y a une règle. Il y a une règle qui dit que pour qu'un deck building roguelite soit bien, il faut qu'il soit moche. Voilà. Tu regardes Balatro, tu regardes lui, ça s'applique. Tout à fait. Donc, c'est peut-être qu'ils se sont dit, si on fait un jeu beau, peut-être qu'il sera pas bien. Donc, autant. Tout le monde va se barrer. Donc, on continue à faire des trucs moches. Non, mais voilà. C'est vraiment une suite. On reprend la même structure. On va venir mettre plein de nouvelles mécaniques. Donc, moi, je suis grave chaud. Mais est-ce que ça va être aussi bien ? Peut-être pas. Est-ce que ça va être... Non, si, ça va être bien. Ça va être bien. C'est obligé que ça soit bien. Oui. Et ça... Ah oui, accès anticipé en 2025. Donc là, prenez du temps. Puisque ça veut dire sortie 2026, dans le meilleur des cas, je pense. Donc voilà. Hein. Dans 2 ans. Peut-être qu'on aura joué assez le song entre deux. Alors, je viens de voir ce que dit Scale. Il faut surtout qu'il rajoute des animations d'attaque. Alors, peut-être que... Effectivement, c'est sur ce point qu'ils ont bossé. Ça serait pas dégueu. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans les images Steam. Oui. Donc peut-être qu'effectivement, s'il y a des animations, ça sera mine de rien un sacré plus. Oui, et puis là, il y a des images Steam déjà, mais est-ce qu'ils sont pas sur une note d'intention ? Le jeu sera en Early Access dans 1 an, donc ça a quand même vachement le temps d'évoluer jusque-là.
C'est sûr. Pour ça qu'ils veulent peut-être pas trop le montrer en mouvement, parce que le premier est sorti il y a pas si longtemps que ça, finalement, il y a 2 ans, 1 an, 2 ans. Ah non, il y a plus que ça, 2019. Ah, 2019, oh, le temps passe vite. Il me semble, hein. Oui, ça pique. Oh, le temps passe vite. Ça pique, ça pique. Non, non, ça date. Ok. Eh bien... 2019, c'est ça. 2019, bon bah... Ok, on va passer, bah, pareil, je vais te laisser sur Shadows of Doubt. Doubt. Where are you? Tu es là. Alors, là, tu parlais de jeux pas très originaux. Lui, il va te faire mentir. Complètement. Donc, on ne sait pas trop... alors, attends, parce que je reprends le retour, parce que comme ça, je l'ai un peu sous les yeux. On ne sait pas trop ce que c'est, ce Shadows of Doubt, juste en regardant un petit peu. On sait que ça va être un jeu d'enquête, mais on ne sait pas ce qui va faire son originalité. Ici, on est dans un monde donc, généré procéduralement, donc, c'est-à-dire que la ville est générée procéduralement, et dans laquelle il se passe des meurtres qu'on va devoir résoudre. Donc, ce n'est pas un open world vraiment, mais pas loin, et où en fait, donc, les indices sont disséminés, pareil, de manière procédurale, et en fait, on va avoir une espèce de rejouabilité infinie à juste résoudre des enquêtes. Donc il y a plus que ça, apparemment, il y a de l'infiltration aussi, il y a pas mal de choses, plein de petits gameplay aussi à l'intérieur. Mais voilà, c'est un jeu d'enquête quasiment jouable à l'infini. Il parle de sandbox, hein, très clairement, et aussi voilà, des PNJ qui sont là, qui font leur vie. Vraiment, le monde bouge. Ça m'a fait penser à Outer Wilds quand ils disaient ça. Le monde bouge constamment, que tu sois là ou que tu sois pas là. Et donc, c'est à toi de te plier aux règles de ce monde pour résoudre les enquêtes. Et bien sûr, il y a plusieurs méthodes pour arriver à ces fins. Le jeu est déjà en accès anticipé depuis 1 an, déjà, sur Steam. Il sort en 2024, donc cette année, sur PS5, Xbox. Il sortira pas sur Switch. En tout cas, c'est pas prévu. Pas prévu. Malheureusement. Ça pourrait passer quand même. Oui, on est sur du Minecraft. Hein, ouais, du voxel. Ouais. Oui, ouais. Voxel vraiment typé Minecraft. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Avec cette couche, cette DA supplémentaire qui vient améliorer le truc, mais voilà. Et donc là, c'était l'annonce d'un update à l'accès anticipé, du coup. D'accord. Mais oui, là, je suis d'accord. Je suis passé totalement à travers ce jeu qui. Bah oui, qui sort un petit peu de l'ordinaire et qui est vraiment ce qu'on attend de l'indé. Ouais. On va repartir sur quelque chose d'un poil plus classique, puisqu'on va parler... Si tu savais. Ouais, bah oui, toi, en plus, toi, tu as testé la démo, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. De Gestalt Steam and Cinder. Moi, qui est un jeu qui, pourtant, me fait terriblement de l'œil, donc je sais que tu vas ruiner mes beaux petits espoirs. Puisqu'on est sur un Metroidvania qui va sortir le 21 mai sur PC, d'ailleurs, alors, je sais pas dans notre classement si on a eu raison ou pas, mais il va sortir plus tard sur Switch, hein. C'est un jeu qui est prévu sur Switch, ça, hein, donc il aurait pu être dans la catégorie précédente, mais c'est pas grave. Donc ça, Gestalt, 21 mai PC, plus tard sur Switch, Metroidvania, j'ai plus de page, elle est là. On n'a pas appris grand-chose de plus, hein, pour moi sur ce trailer, c'est-à-dire qu'on est dans cet univers steampunk, et c'est moi ce qui m'avait énormément plu dans l'annonce et la présentation de Gestalt, c'est-à-dire que, il y a de la couleur, c'est pas un Metroidvania qui est en nuance de gris. Donc voilà, bon bah cyberpunk, de la couleur dans tous les sens, évidemment monde en ruine, hein, post-apocalyptique, tout ce que vous voulez, ça nous aurait manqué, sinon on n'aurait pas été bien, mais un monde en ruine, en couleur, c'est cool. Par contre, bah toi, je sais que dans tes petites notes, t'as rajouté pas mal de choses. Alors oui, très Castlevania dans l'âme, on est plus dans le côté Vania que Metroid. Et en plus, ça se voit, je trouve, à la direction artistique. Je reconnais plus un Castlevania qu'un Metroid là-dedans. Ouais, toi, la démo, t'as pas plus que ça, quoi. Bah, disons que soit la démo est très mal fichue et elle te montre rien de ce que le jeu va faire de cool, à part sa DA. Là-dessus, on est d'accord, hein, la DA, elle est cool. Mais j'ai pas trouvé le... En fait, c'est extrêmement classique. Si vous voulez un Castlevania, vous êtes en manque de Castlevania, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça, des bons Castlevania. Ça va être un Castlevania, très clairement. Est-ce qu'il sera bien ou pas? Je pense qu'il sera au minimum mouif. Peut-être qu'il va être mieux que ça, je sais pas, mais en tout cas, la démo ne laisse rien transparaître de ce qui peut être cool dans le jeu. Et ça, c'est dommage. Et j'ai en plus eu, donc ça, c'est la démo, donc ça veut rien dire, mais le saut, il m'a posé quelques soucis. C'est-à-dire qu'au moment
où ton personnage retombe, tu ne peux pas sauter, resauter tout de suite. Tu as comme un délai qui paraît pas naturel. C'est d'habitude, ouais. tu sautes, à peine tu touches le sol, tu sais que tu peux ressauter. Là, tu as une espèce de petit délai et tu n'as aucune animation qui vient l'expliquer, si tu veux. Ouais, donc, mais on le voit dans le maniement que c'est un jeu, alors c'est pas un Souls-like, mais on sent le maniement qui est quand même un peu lourd, quoi. C'est pas la nervosité. Ça bouge dans tous les sens. Même le personnage est. Ouais, parce que je trouve pas. Oh, quoi, super. Ouais. J'allais dire, je trouve pas la nervosité du dernier Prince of Persia, par exemple, mais d'accord, ouais. Ah non, tu bourrines ta touche, quand l'autre va attaquer, tu roules à travers lui, tu rebourrines dans l'autre sens. Non, c'est un jeu, t'as pas vraiment de lourdeur. T'en as peut-être une sur les sauts, justement, mais pas. Non, c'est un jeu qui est assez. Assez nerveux. Assez dynamique, ouais. Par contre, moi, mon bémol de la démo, le vrai bémol, c'est le boss. Qu'est-ce qu'il était nul. Oh là là. Là, lui, là. Là, on vient de le voir, l'espèce de grosse araignée en métal, là. Il y a genre trois attaques différentes et le boss fight dure plus de 5 minutes. Oh la vache, ah ouais, non, l'enfer. Ouais. Ça, c'est... Donc voilà, ça, désolé. C'est pas bien. Non, mais moi j'ai envie d'y croire encore un petit peu. J'ai envie d'y croire. Non, mais voilà, toi je sais que t'as bien aimé comment il s'appelle ce jeu. Bloodstained. Ça m'a fait penser un peu à... Non. Non, Pixel aussi. C'est la Team Ladybug, je crois. Comment il s'appelle ce jeu? Labyrinthe. Ah non, le... L'autre. Le Diglett in Wonder, oui, Labyrinth. D'accord. Ça me fait penser à ça en un petit peu mieux. D'accord. Oh, bon, moi j'ai déjà bien aimé Diglett, donc voilà. Voilà, tu vois. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Allez, j'y crois. Ok. Ouais. Eh bien, on va continuer avec. Tac. Ta-ta-ta-ta-ta. Ça s'appelle Flint. Alors en plus, je me trompais de jeu. Flintlock. Je connais pas du tout. Siege of, un truc, je sais plus. Ah, le titre complet, attends, je l'ai. C'est un titre à rallonge. The Siege of Dawn. Siege of Dawn. Yes. Tu veux en parler? Pas du tout, parce qu'en fait... alors j'aurais peut-être dû te prévenir, j'avais un autre jeu en tête, et c'est pas du tout ça que j'avais en tête. C'est pas du tout ça. Alors. Quand j'ai vu le trailer, j'ai... Ah non, moi je voyais un jeu avec un grappin et du pixel art et je pensais que c'était aucun rapport. Un jeu avec du grappin ? Ouais, mais il y a un truc qui doit s'appeler Flint Hook ou un truc comme ça. Ah oui, tout à fait. Et c'est pas ça. Ah oui, non, je pensais qu'il était présenté à la tripouille. Non, pas du tout. D'accord. Non, Flintlock, c'est alors c'est ceux qui ont fait Ashen. Ashen, c'est pour moi le seul Souls-like, alors, avant ceux qui sont sortis l'année dernière, c'est le seul Souls-like qui valait le coup. Et qui n'est pas From Software, qui valait le coup d'être joué, parce qu'il avait un pas vraiment un twist, mais parce que c'était pas que un Souls-like. Il avait son propre univers, il avait ses propres mécaniques, et il y a quelque chose qui se passait quand il jouait, il avait une superbe DA. Et donc ce sont les mêmes développeurs qui nous font maintenant ça, donc là on est vraiment... on n'est plus du tout sur... Enfin, on ne dirait pas de l'indé, hein, clairement on est sur un double A presque. Et donc on est sur un Souls-like, toujours en termes de combat, un monde... relativement ouvert, donc ça je pense que ça va être comme Ashen typiquement, qui avait un monde assez ouvert. Le gameplay a l'air super aérien, et je vais pas vous mentir, on n'en sait pas beaucoup plus, mais juste ça me botte. Là, ce que vous voyez là, c'est pas un trailer, hein, c'est vraiment c'est pas un let's play, c'est 8 minutes de gameplay, comme ça donne bien une idée de ce à quoi va ressembler le jeu. Mais ouais, moi je suis chaud parce que je connais les devs, enfin je connais leurs précédents jeux, et parce que les Souls-like, moi j'aime ça, ça vous le savez. Donc assez chaud. Ouais. Non, et puis en plus pour de l'indé, c'est quand même très très triple A, quoi. Enfin, voilà. Là, on est vraiment dans le triple I comme ils le disent. C'est poussé par Microsoft aussi. Hein. En plus. Ah oui, d'accord. Donc Game Pass, évidemment, j'imagine. Il me semble. Il y a une question de scale et je crois que tu auras la réponse. Je me rappelle plus du nom, mais le Castlevania Bloodborne est-il déjà sorti? C'est pas The Last Phase ou un truc comme ça? Ah oui, ça doit être ça, ouais. Je pense que c'est ça, tu y as joué et c'était pas bien. Non, il n'y avait pas un truc comme ça. Non, j'avais fait la démo et c'était pas bien. Ah, c'était la démo, c'est ça. Pour moi, c'est The Last Phase et The Last Phase, c'est sorti. Oui, il y a déjà un moment, l'année dernière, je crois. Ouais. Donc tu nous diras si c'était The Last Phase, sinon je ne vois pas de quoi tu parles. Mais à mon avis, c'est ça. Ouais. Après ce Flintlock qui est prévu, bah oui, donc il va arriver bientôt, été 2024. Ouais, cet été, ouais, il arrive cet été, ouais.
tu vas nous parler de Cataclysmo. Alors là, moi, pareil, Cataclysmo. Ah bah si, ça va te parler, c'est Digital Sun qui fait ça. Mage Seeker et okay. Moonlighter. Ouais. Voilà, on replace dans le contexte. Ça n'a rien à voir. Ouais. Attends, mais c'est quoi ? Non, mais... Ah si, ça y est. Le... Oui, si, je l'ai. Avec les chaînes, le mec avec les chaînes qui tabasse. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal, mais j'y ai pas joué. Et Moonlighter, je suis pas un grand fan. Pourtant, c'est un jeu que je devrais aimer. Hein. Il y a tout dans le jeu qui fait que je devrais l'aimer et j'ai pas accroché. Ouais. Je vais pas te mentir, si j'ai mis ce jeu en avant, c'est parce que j'ai fait la démo pendant le Steam Next Fest et que ça m'a beaucoup plu en termes de direction artistique. Donc, déjà, le jeu, c'est quoi ? On est sur un mix entre un tower defense, un jeu de survie, un city builder. En gros, c'est simple. On doit trouver un spot, donc, scripter le spot, hein, c'est-à-dire que c'est le niveau, c'est tu dois aller jusqu'au bon spot, construire une fortification jusqu'à ce que quelques jours plus tard, des hordes d'ennemis viennent attaquer ta forteresse et soit la détruisent, soit que tu arrives à résister jusqu'à ce que ça soit fini. Alors il y a plein de choses qui marchent bien. Bon, ça sortira jamais sur Switch, de toute façon c'est un jeu à jouer sur PC, il faut une souris pour jouer à ce genre de truc. Donc la direction artistique, l'ambiance, elle est géniale, vraiment il y a quelque chose qui se passe, c'est un bonheur en fait, tu te sens happé vraiment par les images, par la musique, par le sound design. Et il y a d'autres trucs sympas, donc en fait tu construis vraiment tes forteresses brique par brique, t'as un petit côté Lego vraiment, où tu les empiles, tu peux empiler des bâtiments les uns sur les autres, c'est-à-dire que tu peux faire une maison et au-dessus tu fais une fonderie par exemple, t'as tous des trucs comme ça qui te permettent de gagner de la place et du coup qui donnent lieu à des trucs sympas en termes de gameplay. Et voilà en fait, c'est tout ce que j'ai vu pendant la démo, mais ça a suffi à me convaincre pour me dire que ça pouvait être très 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 sympa. Ils enchaînent vachement quand même quand je suis en train de compter, parce que Mage Seeker, non, Moonlighter c'est pas vieux, Mage Seeker encore moins, ça doit avoir un an. Oui. Donc ouais, je pense que ça reste du gros indé qui est même tout à fait capable sans doute de faire deux jeux simultanément, enfin d'avoir plusieurs équipes en interne, parce que voilà, tu pompes pas ça en un an quoi. C'est clair. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Non mais, ah si, il y a plusieurs modes de jeu. Hein. Ça je l'ai pas dit, mais ça, je pense que c'est le trailer le dit. T'as le mode classique avec l'histoire, avec des chapitres, enfin des niveaux, on peut dire. T'as le niveau infini, enfin t'as le mode infini, t'as plusieurs modes de jeu en plus pour ce jeu. D'accord. Eh bien, merci pour Cataclysmo. On va passer sur un autre jeu qui apparemment est moins tentant. Mais voilà, je voulais en parler un petit peu parce que ça reste quand même une licence qui est très populaire, les What The. Alors vous connaissez sans doute plus What The Golf, qui était un jeu de golf totalement loufoque, parce qu'au lieu de diriger une balle qu'on envoyait dans un trou, on dirigeait un humain qu'on balançait dans un trou à coups de batte de golf. Donc en fait voilà, ce sont des jeux totalement loufoques qui mettent surtout en avant la physique, et qui ont toujours une physique assez intéressante, voilà. Entre deux, ils avaient créé What the Bat, mais lui qui est beaucoup plus confidentiel, parce que ça c'était un jeu VR, donc forcément la VR, on sait où ça en est aujourd'hui, donc c'est un petit peu plus léger. Et là, What the Car, on dirige une voiture, mais vous l'avez tout de suite compris, hein, une voiture qui a des jambes et des bras, donc on roule pas, et qui fait bon, voilà, donc on roule pas en réalité, on marche, on court. Comme il l'indique, il y a une démo qui est disponible sur Steam, dont Toon va nous parler dans quelques secondes. Donc c'est un jeu de voiture, ouais, absurde, il y a des centaines de niveaux. La voiture, vous l'avez vu, peut se transformer en tout et n'importe quoi. Hein. Là, on est en limousine, il y a des jetpacks, on peut escalader des immeubles, on aura des missions, évidemment, il faudra livrer des colis en étant imparti, ce genre de petits trucs traditionnels. Bref, c'est tout sauf un jeu de course, voilà. C'est un jeu loufoque. Mais toi, t'as eu du mal. J'ai pas eu du mal, j'ai trouvé ça mouif, en fait. Je comprends, j'ai pas joué à What the Golf, mais je pense comprendre que le principe me plairait beaucoup plus. Là, en fait, j'ai trouvé que c'était assez redondant dans ce qu'il nous montrait, c'est que ça reste qu'une démo. Hein. Au final, c'est toujours la même chose, il faut toujours qu'on avance jusqu'à la ligne d'arrivée. Et en fait, la physique va légèrement changer.
mais pas toujours vraiment changé. Il y a des moments où il va falloir sauter, mais finalement, tu as trois niveaux où tu dois sauter. Alors, des fois, tu vas sauter plus haut, des fois, tu vas sauter un peu moins haut. Mais tu vois, c'est ce genre de redondance-là qui ne m'a pas convaincu, même si les niveaux sont très très courts. Par contre, il y a un niveau qui m'a plu énormément, c'est un niveau où tu es sur des chaises de bureau et où en fait, tu as juste un espèce de turbo. Donc, c'est-à-dire que les chaises de bureau, tant que tu... Enfin, elles vont toujours dans le même sens, tu vois. Tu peux pas tourner avec des chaises de bureau. Il faut que tu mettes un coup de réacteur dans un angle bien particulier pour changer de direction. Ouais. Ça, c'était fun. Parce que ça venait vraiment... tu avais vraiment un truc intéressant là derrière. Ouais, il jouait, le reste, finalement, il jouait avec la physique intelligemment, quoi. C'est ça. Mais le reste, finalement, j'ai pas trouvé ça... j'ai pas vu d'idée où je me suis dit « Waouh, j'ai jamais vu ça !» C'est juste que, en fait, des fois, ta balle, c'est une boule, ta voiture, c'est une boule. Des fois, elle a des jambes et il faut sauter par-dessus des obstacles. On a déjà vu, en fait, ce genre de truc. Oui. Donc, pas convaincu, malheureusement, par la démo. Ouais. Bah après, voilà, ça peut faire partie de ces studios qui ont fait un coup d'éclat, en l'occurrence avec What the Golf. Mais ça va être difficile de reproduire ça par la suite. Ouais. Bon, là, par contre, on va parler, je crois, d'un jeu qui, lui, t'a beaucoup plus tapé dans l'œil. Parce que là, on est quand même dans ton top 10 indé ever, peut-être. Ouais, ou alors s'il n'est pas dans le top 10, c'est le 11, tu vois, c'est un truc comme ça. Il est pas loin. Ouais, donc les développeurs de Hyper Light Drifter et de Solar Ash, qui sont deux jeux que j'ai adorés, absolument adorés, vont faire un jeu qui, pour moi, ne correspond pas du tout à ce qu'ils devraient faire. C'est terrible. Parce que ce pourquoi j'ai beaucoup aimé Solar Ash et Hyper Light Drifter, c'est leur non-narration, leur narration environnementale, ce qu'ils viennent... Il y a plein de choses. Et leur gameplay, bien sûr, parce que c'est des jeux avec un excellent gameplay. Et là, on part sur un roguelite, encore. Donc là, exit, je pense, une bonne partie de tout ce qui est narration, de tout ce qui est... arty. En fait, c'est des jeux qui sont très, très artistiques, les deux précédents. Là, dans Roguelite, je vois pas trop comment. Ils peuvent nous surprendre. On a parlé de Risk of Rain 2 en tout début de partie, là. Je pense qu'on va être sur la même typologie de jeu. Vraiment avec donc des environnements... Là c'est eux qui le disent, hein. Des environnements assez ouverts, mais à la fois ouverts et labyrinthiques, qu'il va falloir explorer avec des boss, avec des monstres. J'espère qu'il n'y aura pas ce principe de horde infinie de Risk of Rain 2, parce que ça ne m'avait pas trop plu. Là, on va être vraiment sur un truc, par contre, aussi beaucoup plus axé à hack and slash, avec du bullet hell, j'en ai vu, là, à l'instant. Et donc, les biomes, ça sera des biomes conçus comme des biomes de Dead Cells, c'est-à-dire que ça va être des morceaux de biomes faits à la main, qui seront assemblés d'une certaine manière pour qu'ils ne soient jamais les mêmes, évidemment. Quand tu... Voilà. Quand tu vois la DA de Hyper Light Drifter, qui est vraiment du pixel art, mais 8 bits hein, quasiment, et qui sont passés à ça, bon, tu te dis que Hyper Light Drifter a dû plutôt bien se vendre. Hein. Ouais, bah t'as Solar Ash entre les deux aussi. Il y a eu Solar Ash entre les deux, tout à fait. Ouais, non, mais voilà, c'est... Qui est très proche de ça, d'ailleurs. Ils sortent vraiment des jeux, et ça leur permet de grandir, parce que là, vraiment, le jeu a beaucoup, beaucoup plus d'ambition que les premiers, en fait. Oui. En termes d'ambition, oui. Là, ils ont franchi beaucoup, beaucoup d'étapes. Ouais. Donc je, voilà, je sais pas exactement à quoi ça. Moi, je vais me jeter dessus. Hein. Celui-là, je vais faire l'accès anticipé, c'est sûr, parce que j'ai qu'une hâte, c'est d'essayer de comprendre comment ils ont réussi. Enfin, s'ils réussissent, hein, mais comment ils vont réussir à faire de ce jeu quelque chose de bien. Que en soi, voilà, le concept me plaît pas tant que ça, en fait. C'est le studio que j'aime. Oui. Alors, retenez les mots de Toon. Hein. Je vais faire l'accent anticipé. Sur No Rest for the Wicked, je vais faire l'accent anticipé. Et la semaine dernière, je ne ferai plus jamais d'accent anticipé parce qu'il n'y a pas meilleure façon de se niquer les jeux. Ça devait être la semaine dernière. Retenez que je dis que de la merde, en vrai. Si, c'est vrai. Voilà. Non, mais c'est bien. Non, il y a la bonne. Mais beaucoup face à mes contradictions, c'est très bien. Il y a la bonne résolution de se dire je ne fais plus d'accès anticipé parce que c'est vrai que je suis entièrement d'accord que c'est vraiment une façon de se péter les jeux. Et je suis comme toi, moi j'en fais vraiment par phase. En ce moment, j'ai envie d'en refaire, mais j'en ai pas fait pendant 2 ou 3 ans. Donc on se dit non, j'en ferai plus parce que c'est vrai qu'on se pète l'intérêt du jeu final complet. Mais arrive un moment où on craque quoi, parce qu'on veut le faire même si on sait que le jeu il est pas fini, c'est comme ça. J'ose espérer, attention hein, parce que là je sais que ça va certainement pas être vrai, d'essayer de considérer cet accès anticipé comme une démo.
D'accord. C'est-à-dire, je vais y jouer un petit peu. Je vais dire, ouais, c'est cool et tout. Et je dis, ok, je le mets dans un coin et je le ressors quand il sort pour de vrai. Ça arrivera pas. Je vais essayer de moi faire ça avec Ender Magnolia. Voilà, j'y ai joué. Finalement, ça ressemblait à une démo, cet accès anticipé. Oui, mais t'as tout fait. Bah, 4 heures, franchement, c'est un peu rapide pour un accès anticipé. Oui, je sais. Et encore 4 heures. 4 heures sur ma première run, 2 heures quand je l'ai refait pour le stream. Donc, c'est très très court. Hein. Ah non, si le jeu dure 6 heures, il va y avoir un problème. Bon, on va passer sur un autre titre. Il en reste quoi ? 3-4. On repart, oh là là, on repart sur du roguelite. Et on va parler. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin ? Presque. Ouais, presque. Ouais, il y en a un qui en est pas un. Et on va parler de Wizard of Legends. Et Wizard of Legends, alors il y a un truc qui m'avait vraiment surpris avec ce jeu, et je pense que pas mal de personnes étaient passées à travers. C'est un jeu qui est sorti en 2018, le premier, hein, ça, donc c'est Wizard of Legends 2. Et le premier qui est sorti a fait un énorme buzz. 18 ou 19, je ne sais plus, peut-être 20 même, peut-être 20. Et il a fait un énorme buzz parce que c'était une époque où je traînais pas mal sur Twitch et je voyais toutes les chaînes streamer Wizard of Legends, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à acheter Wizard of Legends sur Switch et que j'ai trouvé ça un peu tout pourri. Oui, ah, tu me rassures. Franchement, c'était pas fifou. T'as raison, c'est 2018, mais il est sorti sur Switch bien plus tard. Oui, c'est en fait quand il est sorti sur... Oh, bien plus tard, 19 ou 20, hein, pas beaucoup plus tard. Hein. Oh, t'es sûr ? Ah, pour moi, quasi dans la foulée. Et j'ai pris aucun plaisir sur ce jeu. Pourtant, j'ai quasi fini une run. Je sais que j'ai pas fini la première run parce que j'ai buté sur le boss final. La progression était dure, hein, et c'était quand même un roguelite assez dur, mais je pourrais s'en dire comme tous les roguelites. Alors, il faut pas forcément regarder ce qui s'est passé sur Wizard of Legends pour juger ce jeu, puisque tout a changé. Ce n'est plus du tout les mêmes développeurs. Voilà. Wizard of Legends avait été créé par. Ah, on a perdu Toon. Non, je disais ah. Ah oui. C'était un cri de surprise. Ah ouais, Wizard of Legends a été créé par Contingent 99, voilà. Ils ont cédé la licence à Humble Games et Humble Games l'a refilé à Deadmage, c'est mieux, les gens qui ont créé Children of Morta. Donc c'est déjà tout de suite une référence poil plus sérieuse quand même. Je m'installe comme il faut et je m'apprête à t'écouter. Bon, bah, j'ai pas grand chose de plus à dire. Là, voilà, j'ai fait Monsieur Capello pour la petite histoire. Donc juste voilà, pour dire que oui, si le 1 vous l'avez pas aimé, ne jugez pas le 1. Donc c'est pour ça que la DA était entièrement revue. D'ailleurs, le 1 c'était du pixel art 16 bits à tout casser. Là on est alors on passe sur une 3D isométrique. Alors c'était de la vue isométrique, hein, bien entendu. Mais là il est intégralement en 3D. Alors il perd un peu de charme, hein, parce que ça reste une 3D qui reste basique. Mais bon, ça peut aussi donner une belle 3D comme ça en 60 fps. ça peut donner une belle nervosité au jeu. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Jusqu'à 4 en coopération, la fameuse coopération. Donc, bah, d'ailleurs, il y a pas mal d'images où on voit les 4 sorciers combattre simultanément. Différents éléments recèlent différentes interactions et incantations à découvrir. Ça ne veut pas dire grand-chose. Différentes interactions et incantations à découvrir. Pas de date pour le moment, à part une sublime wishlist. Cliquez sur la wishlist, donc c'est pour ça que je pense qu'il n'est pas prêt de sortir et que pour le moment il ne communique pas trop sur le gameplay. Et puis c'est tout. J'avais strictement rien d'autre à dire sur ce Wizard of Legends 2. Alors moi, il se passe un truc de dingue pour moi là. Hein, parce que si tu veux, moi quand j'ai vu Wizards of Legends 2, t'as pensé au 1. J'ai à peine regardé le trailer. Et là, je regarde le trailer en me disant « Children of Morta ». Eh ben, c'est plus le même trailer. Le jeu, tout d'un coup, il a l'air cool. Mais c'est dingue. Tout d'un coup, ça a l'air trop bien. Comme quoi, hein. J'ai réussi à te vendre un jeu indé, tu vois. J'aurais jamais cru. Ouais. Bon, on verra. Bon, et si on parlait roguelite ? Encore ? Mais roguelite a plusieurs en coopération ? Ah oui, parce que là, c'est à 4. Oui, petit joueur. 4 joueurs seulement ? Et pourquoi pas 33 ? Bah ouais, il faut beaucoup d'amis, là, mais oui. Alors moi, je me suis un peu renseigné sur
33 Immortals. Je dirai plus jamais comme ça. Je dirai 33 Immortals. Je vous préviens. Le nouveau jeu de Thunder Lotus. Thunder Lotus qui ont fait que des jeux que j'ai aimés. Donc, il y a eu Thunder, il y a eu. J'ai perdu le nom du premier. Yotun, ouais. Thundered et celui qui est le plus connu, Spiritfarer. C'est trois jeux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Le premier, c'est un genre de hack and slash. Le deuxième, hack and slash boss rush. Le deuxième, c'est un Metroidvania. Très sympa d'ailleurs. Et le troisième, Spiritfarer, c'est un live sim très axé sur les émotions. Une pépite, une véritable pépite. Là, on part sur un roguelite à 33. Ah, attends, que j'ai un peu les images sous les yeux. Voilà. On a toujours la marque de fabrique de Thunder Lotus, c'est ses dessins. C'est beau. C'est absolument magnifique. Ah oui, ça va y faire. Ouais, non, mais c'est sublime. C'est vraiment sublime. C'est absolument magnifique à regarder. Maintenant, excusez-moi, il y a un double son, c'est bon. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais moi, je l'ai compris comme quoi, en fait, donc on va intégrer des équipes de 33 joueurs, mais il va y avoir un petit côté, Battle Royale. C'est-à-dire que si on perd des gens en cours de route, ils ne viendront pas réintégrer l'équipe. Donc toi, si tu perds, tu vas intégrer une autre équipe par la suite. Ce qui fait qu'en fait, le but... Que j'ai vu, le but, c'est d'arriver au bout avec le plus de personnes possible. Donc je pense que vraiment, l'équipe va s'écrémer au fur et à mesure, et ceux qui perdent vont recommencer des runs, et ceux qui continuent vont essayer d'aller le plus loin possible. Et ça, c'est original. Ouais, c'est vachement original. Pareil, j'ai essayé de creuser un petit peu le sujet, et moi, il y a quelque chose où je trouve qu'il a le cul entre deux chaises, pour utiliser les expressions de vieux. C'est-à-dire qu'il y a tout un pan du jeu qui va être un peu nommé les raids, qui est le jeu à 33 joueurs. Et effectivement, si on meurt, alors il y a des possibilités de ressusciter, mais la plupart du temps, si tu meurs, et tu n'es plus dans la partie, et il va rester plus que 10 joueurs qui vont, mais bien entendu, plus tu avances, plus ça va être dur, moins t'es face au boss, parce que c'est essentiellement des raids et des boss à défoncer. Normalement, c'est pas nécessaire de démarrer une partie avec 33 joueurs, si jamais il n'y a pas assez de monde dans les serveurs, la difficulté s'adapte au nombre de joueurs, mais tout le jeu, et même plus encore, parce que là on parle vraiment de raids, sinon c'est un jeu solo. Mais non. Ah ça, j'ai pas vu ça. Tu peux le faire. Moi, j'ai retrouvé ça. Tu peux le faire entièrement en solo. Et il est pensé comme un roguelite solo. Et je suis très curieux de savoir. Parce que alors moi, autant la partie raid à 33 m'intéresse pas du tout. Enfin, je trouve que c'est très original. Mais je sais pas. Le coût du serveur. Alors après, bon, tu sais pas comment jouent les autres. En même temps, je suis pas non plus à donner des leçons, hein, vu mon niveau. Mais tout d'un coup de voir que ça peut être joué en solo, un petit roguelite très joli comme ça, moi voilà, je suis très curieux de savoir ce que donne le jeu en solo, et on peut le faire en solo. Ouais. Ok. Mais tu vois ça, j'étais passé à côté de ça parce qu'ils mettent tellement l'accent de toute façon. Ah oui. C'est dans le titre. Hein. Que là-dessus. Que là-dessus, que j'avais même pas vu que tu pouvais jouer en solo. Ok. Bon, vraiment c'est à surveiller. Alors de toute façon, il y a une bêta qui a lieu le 24 mai. Un early access cet été, il me semble. Donc la bêta, moi, je me suis inscrit. Alors, elle est très courte, hein, 24 mai au 2 juin. Bah oui, t'as largement le temps de, oui. De, non, mais voilà, de oui. Voir ce que t'es venu voir. Oui, 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 t'as une semaine, enfin une grosse semaine. Non, ouais. T'as 2 semaines même, t'as 2 semaines, qu'est-ce qu'on est bien. Mais oui, ça va. Donc oui, j'irai voir un peu ce que ça donne. J'ai reçu un petit mail. Vous êtes invité à la bêta de machin. Oh. Ben oui, je suis dans tout leur newsletter et tout à Thunder Lotus, tu m'étonnes. J'imagine bien. Non, non, mais c'est vrai que oui, c'est... Puis ils ne sont jamais plantés, donc ça va être bien. Oui, oui. Enfin, ils ne sont jamais plantés, c'est pas de la vie de tout le monde, hein, parce que Yotun et Thunder, c'est pas des jeux qui ont été non plus acclamés. Moi, c'est des jeux que j'ai beaucoup aimés, mais c'est des jeux qui n'ont pas été appréciés par tout le monde. On verra. Moi, je suis très curieux parce que je trouve que le concept est original. Il y a peut-être quelque chose à creuser. Et après, le reste, j'étais même pas au courant. Donc, si en plus autour de tout ça, il y a un vrai jeu, pardon. C'est ça la question, ouais. C'est ça. Je sais pas. À voir, à surveiller. En tout cas, moi, rien que pour la DA, je serai présent, quoi. C'est clair. Il nous reste un jeu. Il nous en reste un. Le petit dernier.
Un jeu mi-blague. Oui. Alors, c'est pas la première fois qu'on le voit celui-là. Mais... Ah oui, 2025. Je crois que c'est... Mais c'est la première fois qu'on a une année de sortie. Parce que je crois que quand il avait été présenté la première fois, ils n'avaient pas du tout mis d'année ou de période de sortie. Donc là, on y voit un tout petit peu plus clair. Ouais. C'est donc un Doom slash Mickey, hein, grosso modo. Puis alors, trash. Il n'y a pas grand chose à dire sur le jeu. Je pense qu'il est... Enfin, ça se voit. Tu regardes le trailer, tu sais ce que c'est. C'est un fast FPS avec une DA de fou furieux. Oh, c'est clair. Qui utilise la licence de comment il s'appelle, Steamboat Willy, je crois. Steamboat Willy, oui, bah oui, qui est tombé dans le domaine public il y a pas longtemps, donc bah, voilà. Ils se sont jetés dessus, ils ont fait. Ça se trouve, ils avaient déjà le jeu de prêt, ils attendaient juste le bon moment, tu sais, pour intégrer la DA. T'imagines que dans, je crois que c'est dans 5 ans, il y a Blanche-Neige et les 7 nains qui tombent dans le domaine public. Qu'est-ce que ça va être bien. On va pas être la même. Non, mais là, ça va enchaîner, là. Ouais. Donc, non, mais ça, je suis très, très chaud. En vrai, je suis très, très chaud parce que les fast FPS, j'aime bien ça. La DA, je la trouve génialissime. Et quand j'ai vu, à un moment, tu vois, tu sais, il met ses doigts comme ça, il tire comme dans Cuphead. Ouais. Et là, ils m'ont vendu le jeu. Ah, voilà. C'est clair. Ah non, il est très très beau. Il est très 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 beau. Ouais. Donc, ouais. Mais je, voilà. Je me rappelais même plus qu'il avait été présenté au triple, lui, tu vois. Mais j'aime bien. Il y a moyen de faire un truc très sympa. Ouais. Donc, il y a eu plus d'annonces que ça. Oui. Mais c'est surtout des jeux très typés PC. Quand je dis très typés PC, c'est des jeux moches en vrai. C'est une espèce de city builder. C'est ce que j'allais dire. C'est vrai que t'as écrémé, et t'as eu parfaitement raison, un paquet de city builder, parce que c'est vrai que c'était la conférence du roguelite et du city builder. Là, je crois pas qu'on en a vu de city builder, et c'est peut-être pas plus mal. J'ai exclu, un peu à contre-cœur, mais parce qu'on avait déjà beaucoup de jeux à présenter, j'ai exclu Laïsara, Summit Kingdom, un truc comme ça, qui est ce city builder à flanc de montagne. Est-ce que tu l'as vu celui-là ? Pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il est beau ! Mais qu'est-ce qu'il est beau ! J'ai envie d'y jouer juste pour profiter des graphismes, DA de ce jeu. Mais voilà. Tu vois, avant que tu le dises, il y avait Negetsu dans le chat qui disait « Il y avait aussi le jeu de ville sur la montagne. » Ah bah voilà, c'est ça. Exactement, grâce à Negetsu que je parle de ce jeu que j'ai exclu parce que oui, ça c'est un jeu qu'on verra jamais sur console même. Au-delà de la Switch. Oui, bah, clavier souris, j'imagine. Indispensable. Ouais. Bon, globalement, t'étais satisfait de ce triple I. Je suis sorti, franchement, je me suis dit, waouh, beaucoup d'accès anticipé, beaucoup de roguelite, je sais pas. Et puis après, donc avec Payot, on en a parlé donc juste après, en débrief, hein, juste après l'émission, on s'est dit, non, il y a quand même des trucs à aller chercher et tout. Et là, après avoir creusé, non, en vrai, bah, tous les jeux dont on a parlé, j'ai envie d'y jouer. Même Wizards of Legend. Et ça, c'est à cause de toi, je t'en veux un petit Désolé. Peu. Désolé. Oh, je crois que t'as le temps, de toute façon, il n'y a pas de date. Donc... Ouais, c'est ça. Mais non, j'ai grave envie de jouer à peu près tout ce qu'il y a là. Sauf Gestalt, je pense que du coup, je pourrais le mettre de côté allègrement. Et peut-être What the Car. Et What the Car. Mais sinon, le reste, je suis chaud. Ouais. Je suis chaud. Sachant que dans la liste, hein, il y avait évidemment aussi The Rogue, Prince of Persia, mais comme on l'a présenté dans les jeux du moment, on n'allait pas vous le remettre ici, mais évidemment, il a été présenté à cette occasion. On va profiter juste de la fin. Je vais faire un tout petit sondage qui va être très simple, hein, sur le Triple Initiative. Initiative. On va faire simple. Voilà, bon, ça va être très très simple. Hop, donc j'ai mis alors ce triple initiative, génial, pas mal, déçu. Oula, pas comme ça, hein. plus égale moins. Fais les choses simplement. Non, je suis à peu près pareil. Alors, il y avait une question qui avait été postée il y a au moins une heure et on va y répondre maintenant, même si la personne n'est peut-être plus là. C'était la question de savoir est-ce que Evil Empire va faire en sorte maintenant de faire cet événement de façon plus régulière, voire tous les ans. Bon, je crois pas qu'ils aient vraiment communiqué sur le fait que l'événement reviendra l'année prochaine à la même époque.
Mais je pense qu'il y a quand même eu une belle réception. Il y a quand même eu beaucoup de studios majeurs qui se sont réunis autour de cet événement. Donc, ouais, je pense que c'est un événement qui est bien né. Et il a toute l'attitude à revenir. Et je trouve qu'ils ont été tellement malins de balancer ça un 10-11 avril. Je ne sais plus exactement quel jour c'était. Pas tomber dans la période du Summer Game Fest, pas tomber dans cette période-là qui sont. Oui. Ah bah oui, clairement. Là, au moins, plus de visibilité. Et bah, jusqu'à la dernière minute. un immense Non. merci. En plus, alors Simon Cherby, en plus, je vais peut-être dire une immense bêtise, mais j'ai pas un immense souvenir que tu sois un ancien de la chaîne, et je m'en excuse si c'est le cas. Je Ou pense alors que. qu'intervient rarement, Bah finalement. peut-être, ouais, merci Un beaucoup, viewer parce de que l'ombre. voilà, peut-être un viewer de l'ombre. Un immense merci. 5 souscriptions d'un coup, histoire de mettre tout le monde en vert. Non, bah, un grand, 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 grand merci, Ouais. Simon, pour ta bah, grande, grande générosité. Bébé va pouvoir avoir son biberon ce soir. Oh, purée. Je rigole, bien entendu. Non, merci. Non, je vous écoute souvent, mais je ne clavarde. Alors, je sais pas si. Ah, je bavarde peut-être pas souvent, mais je vous Non, écoute souvent. clavarde. Ah ben Clavarde? non. Ah, je ne connais pas ce mot. Ah ben oui. Ah, Tu je. bavardes avec ton clavier. Ah, mais oui! Oh, Mais oui! suis-je con? Effectivement. J'aurais appris un mot. Merci, merci à vous deux. Non, bah merci, merci Simon. Donc, Chris Kobe qui a récupéré une souscription, Triforce 62, Mantalo, Thomas d'Amour et Harry 8. Bah, bravo à tout le monde. Et encore merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Simon, là, au moment de fermer boutique, on va dire. C'est un beau cadeau pour partir. Ouais, c'est clair, c'est clair. Avais-tu un petit mot en plus à dire ou sinon. Non, bah moi je vais continuer à ne pas jouer sur Switch, malheureusement. Voilà. J'allais jouer à Harold Dalibut, hein? Oui, c'est vrai, il est Pourquoi sorti. pas? Bah oui, c'était la semaine Là, dernière, lui. aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, oula, pou, 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 pou. Ah, bah, il est donc. Eh bien, pareil, moi aussi, j'ai un petit jeu sous le coude. Tiens, d'ailleurs, juste pour information, la semaine prochaine, le mardi, c'est Sully, émission spéciale Suikoden et Yuden Chronicles. Voilà, ça va un peu de pair. Donc, on va faire une spéciale là-dessus. Avec un superbe invité, je préfère pas dire tout de suite son nom parce que moi j'aime pas trop mettre la pression aux gens, donc c'est-à-dire que si jamais il a un problème de dernière minute, ça évite comme ça, voilà. Mais franchement, il est fier de lui, le Sully. Et franchement, on va faire une superbe émission autour bah, de cette saga parce que bon, bah, tout ça est un peu lié quand même. Ça va être une très très belle émission. Et ben voilà, merci beaucoup, merci beaucoup Toon, merci beaucoup à vous tous et toutes dans le chat d'avoir été bah, encore une fois si nombreux et si présents jusqu'à la dernière minute. J'arrête vite fait le sondage qui est quand même mi-figue mi-raisin. Faut que j'arrête avec les expressions de vieux. Le triple I initiative, alors plutôt pas mal, hein, Ah mais majoritairement. moi j'ai voté pas mal, hein. Ouais, voilà, je pense que je me serais Parce que c'était limité. pas génial, mais c'était Voilà. pas mal. C'est ça, je me serais limité au pas mal parce que beaucoup de jeux intéressants, mais petit manque de diversité. C'est clair. Merci à vous tous, on se retrouve mardi prochain, 21h, même heure, même endroit. Ciao, bye bye. Ciao tout le monde.